Coucou, coucou, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et très bon dimanche. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Et très bon dimanche. Rendons gloire au Seigneur, au tout puissant. Ok? Très bon dimanche à tous. Donc, merci d'être là pour ceux qui sont là. Donc, comme vous avez vu le titre, de ce live là et tout. Petite mise au point. Petite mise au point. Ce sera le titre de mon live de ce matin. Donc, il est 5h moins du matin à Maryland, où je vis particulièrement. Donc, j'ai tenu à faire ce live avant de vaquer à mes occupations. Voilà. Donc, je vais faire ce petit live. Ce sera juste un petit live. Bonjour, 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 bonjour. Ok, c'est dimanche matin. On va parler à cœur ouvert. Hein. Donc, nous allons parler à cœur ouvert. J'étais très occupée par mon boulot. Hein. Donc, quand je suis rentrée hier soir, je suis tombée sur ce live de Dolin Miondo. Elle était vraiment dans son élément, hein, parce que sur Facebook ici, là, chacun sait qui est qui. Donc, elle était vraiment dans son élément. Donc, j'ai été prononcée dans ce live-là plusieurs fois. Donc, je vais lui apporter une partie, ce serait seulement une partie de mon droit de réponse ce matin. Une partie. Et demain, je vais faire le clean-up. Demain, c'est ma journée, je te ferai le clean-up. Voilà. Donc, je vais te dire ce que je pense de toi. Parce que, il faudrait que tu retiennes bien. C'est Thérèse, hein? C'est pas Marie-Thérèse. Je ne sais pas ce que tu as eu dans ta vie comme écart ou bien comme relation avec une certaine Marie-Thérèse ou quoi que ce soit. Ma part n'a pas de Marie. Ma part, c'est Thérèse tout court. Donc, arrête de mettre Marie là sur mon nom. Parfois, c'est confus. Comme Marie-Thérèse, Marie-Thérèse. Je ne connais pas de Marie-Thérèse dans ma vie. Oh, mon Dieu. Et dis, amour, là, tu fais quoi à la fenêtre? Tu peux monter, hein? Viens. Viens dans le lave. Moi, je n'ai rien contre toi. Il faut venir dans le lave. Je n'aime pas que vous qui me connaissiez dans le Mbrakata, vous venez chez moi, vous raclez les murs. Tu peux monter dans le lave, tu peux venir dire ce que tu as dit et tout. En écriture. Hein? Donc, je n'ai rien contre toi. On se titille et tout. Mais il n'y a rien de profond. Donc, je t'ai vu l'amour, là, et tout. Donc, et merci pour tout, hein, parce que tu es quand même aussi l'une de celles-là qui publie mes vidéos. Même si parfois tu le fais dans le sens que tu veux dire que, oh, la contenance. Maman, comment on dit cela chez nous? Tout exposure, c'est toujours les bons exposures. OK? Donc, merci pour tout. Donc, je vais vous faire écouter le lab dont je vous disais tantôt. J'étais dans ce lab-là hier soir quand je mangeais mon dîner hier soir et tout. Donc, j'ai écouté. J'étais en back-off. J'ai écouté. Je vais apporter une partie. Fait une petite clarification. Parce que je n'aimerais pas que demain. Je n'aimerais pas porter tout le monde demain. Donc, demain, là, toi, tu seras seul. Toi seul, tu seras ma concentration de l'Indien. Donc, je vais écarter un peu les autres aujourd'hui. Je vais blush off
d'autres personnes aujourd'hui. Parce que demain, tu seras ma seule concentration. Voilà. Comme Marie-Thérèse. Finit son live. Elle a dit demain, elle va faire un live à Village Découvert. S'il vous plaît, je vous en supplie. Oui, je vais dire, j'aime les organes, mais je parle de. Tout à l'heure, ma père pas fait un live, je suis montée, je ne me sens pas bien. Mais si. Ah ben, tu parles aussi au père Bafa, si, parle pas seulement à toi. Pardon, je vous en supplie. Pardon seulement pour l'amour de ma pépé, s'il vous plaît. Pardon. Please, si vous voulez, je parle même en anglais, pardon. S'il vous plaît, Christian de Monaco, Eton de Luce et Consort, Orisha, tout, pardon, s'il vous plaît. Pardon. Je n'ignore pas. Après Orisha, comment? Car Orisha, Orisha est avec ma télé. Ouais, ouais, doulé. Pardon, quand ça. Mais j'ai coupé, c'est dans mon mur. Pas de poste. Elle a dit que elle et sa générale en chef ont décidé. Dolé Miondo, je suis sympathisant de la TKC, s'il vous plaît. Moi, je suis de poste par rapport à ça. Pas de poste, pas de blague, s'il vous plaît. Je parle parce que je suis en anglaise, je ne parle pas pour une fille. Notre but, c'est la cagnotte de ma pépé, s'il vous plaît, pas de poste. Je crois que c'est un boycott. Pardon, c'est mon pardon. Pas de poste. Pardon, merci. Pardon, s'il vous plaît, vous ignorez. Pardon. En journée, Orisha a fait les postes par rapport à ça. Pardon seulement, vous ignorez. Parle à Bato, alors parle aussi à Bato. Chicho, Chicho. Pardon. Chicho, c'est le plateau. Voilà, merci. Ouais, bon, quand tu vas vraiment vous les gens de la tête, si vous êtes comédien, tuto, c'est pas la patate du tuto, tuto. Ouais, vraiment, j'ai dit que. Ça commence à le faire. Ah, d'accord, on va le dire à Mandrocan. Mandrocan. On continue là-dessus. Elle va tellement déconcentrer. J'ai oublié ce que je voulais lui dire. Oublie, pardon. Je ne veux pas d'intervenant ici. Oublie. Vaut mieux que tu oublies. Elle a dit que la TKC ne fait pas les lèvres. Moi-même, je suis d'accord que la TKC ne fait pas les lèvres parce qu'ils sont en train de vouloir. On appelle ça que quoi? Piéger la caillon de Pépé. Tu, moi, je ne suis pas TKC. Viviane Choumi. Moi, je ne suis pas TKC. Je suis électron libre. Je suis Ndolé Miondo avec mes Miondo corrects. Je ne suis pas TKC. Vous êtes les Woolworths, vous les gens de TKC là. Vous ne pouvez pas rester dormir et observer à Caïman les choses. Vous êtes obligé d'aller dans tous les lives. Même ici, vous êtes venu faire quoi ici? Je parle pour moi. Je ne parle pour personne. Je suis d'accord que personne de vous ne parle même de cette histoire. De les laisser avec que, on dit que en prenant le caillou, l'oiseau a vu. Oui, l'oiseau a vu. Ça vous. En prenant le caillou, l'oiseau a vu. Moi, je parle en tant que électron libre. Je ne suis pas dans la team TKC. Parle, madame Osmarus. Bonsoir à tous et à tous. J'ai juste une question, ok, parce que j'ai comme impression en fait que cette histoire des cagnottes là, les gens veulent faire chanter d'autres personnes. Et quand vous en fait vous tombez dans ce piège là, vous donnez un peu du crédit à ces mêmes gens en fait qui traitent les gens de la pécasse de mendiants. Et je pense que quand tu fais un geste de bonne volonté, okay, tu le fais sans rien penser. Et il faut pas mélanger les choses. Parce que je pense que depuis
que Étonne de Luxe a fait un direct, c'était le baptise coup de marteau, ok? Elle n'a jamais fait allusion, en fait, à cette cagnotte-là. Ce sont ces gens-là, justement, qui viennent avec des arrière-pensées, parce que pour eux, en fait, c'est que si ils te rendent service, ou bien s'ils participent à un élan de solidarité, tu leur dois quelque chose en retour. Moi, personnellement, hein, c'était moi qui était propriétaire en fait de ce genre de lampes ou bien de camions. Moi, je dirais à tous ces gens-là que, gars, moi, j'ai pas besoin de votre argent. Parce que voilà ça qui est en train de se dessiner. Vous ne pouvez pas venir, on est en train de parler de quelque chose, vous voulez toujours ramener toujours cette histoire des cagnottes là, comme si, c'est comme si vous tenez les gens en tête, vous tenez les gens à l'aise. C'est pathétique, hein, c'est pathétique. Ils ont pressé compression à un niveau qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils ont trouvé maintenant les boucs émissaires, la cagnotte de compression, mais vous allez, vous ne savez même pas. Personne ne vous supplie, sincèrement, il ne faut pas arrêter avec cette façon de faire. Personne ne vous supplie. Et je vais vous dire, ôtez qu'à ces motifs-là. Vous avez compris, le divorce est consommé. Ou bien vous pensez que vous espérez encore quoi devenant de Thérèse et de sa patronne. Moi, je vous demande donc de redescendre sur terre. Le divorce est consommé. Point barre. C'est juste une question d'heure. Ce n'est plus une question de temps comme à tout moment nous avons eu à dire. C'est une question d'heure. Ça, c'est clair. Vous avez vu ce que Dorcas elle a dit. Donc, ça vous plaît. Pourquoi l'audio, pourquoi ça fait ça maintenant? Pourtant tout à l'heure c'était limpide. Hein? Parce qu'on est non. Attendez un peu que je check ma connexion d'internet. Tu veux que je coupe d'habitude. J'enregistre, j'enlève les commentaires. Mais aujourd'hui, j'ai laissé les commentaires exprès pour que on voit même les commentaires qu'on a en train d'écrire et qui sont en train d'écrire. Elle est prête. Laisse les commentaires. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. Vous venez ici là, calmer les choses. Parce que nous sommes des personnes civilisées, nous sommes des personnes de bon sens, nous sommes des personnes qui savent faire la part des choses. Mais on ne vous voit pas aussi dans leur live, dans leur plateau, aller de leur demander en fait de se calmer, d'arrêter tout cela. Ok? On ne vous voit pas le faire. C'est la même chose que Thérèse a fait avec la petite Nicole. Quand Christian de Monaco a joué le conciliateur, il a calmé, il a fait un pause, il a demandé en fait, ok, le problème est déjà réglé. Mais est-ce que cela a empêché Thérèse de raconter les bêtises qu'elle avait racontées sur Nicole? Hein? La même chose. Ok, Diamant Blanc est sorti après le live de Étonne de Luxe. Elle est sortie, elle a dit ok, temporiser les choses. Elle a même allé même à la faveur même de Thérèse, malgré comment. Non, dans le cas, dit qu'elle est sortie pour venir, pour dire qu'on l'insulte. Qu'elle ne doit plus cotiser parce que les agents, c'est l'agent de port, l'agent de. Mais c'est pas possible. Quand la femme l'a parlé, je regardais comme ça, dit que oui, ou fou. S'il te plaît, laisse-moi tout à l'heure. Elle est malade à la faveur de Thérèse. Tu vois un peu. Parce que bon, on comprend que, entre grandes personnes, entre personnes, civilisées, on se comprend, on dit ok, on prend ça sur nous. Mais est-ce que cela a empêché Thérèse de ressortir encore, racontant encore des conneries qu'elle avait, elle est en train de raconter là. Étant donné ce n'est qu'à un seul âge. Mais c'est des petits groupés qu'on concentre de gauche à droite. Là, étant donné que c'est l'enfant de quelqu'un, je ne suis pas en train de la prendre sa défense. Et elle n'a rien dit de mauvais. Arrêtez de tomber. Pardon, tu me laisses pas parler. Je arrêtez, mon cœur. Ah oui, je vais
Comment c'est, monsieur Père de ça? Arrêtez toujours de vouloir toujours faire genre, parce que des gens sont là, ils jouent le mensonge tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous pensez que c'est la vérité, et vous mettez toujours en position de faiblesse. Chercher mes containers, son but c'était pour venir récupérer mes containers derrière qu'on peut sortir. Et elle a réussi. C'est tout. Il n'a pas attendu donc. Son but c'était de venir récupérer mes containers derrière ma pépé. On l'a envoyé et elle était en mission. Abobine les, trompe les, fais comme si tu avais que hein, tu récupères mes containers et après tu les fais coup de marteau. Je vais descendre, Demain, la TKC, tous les TKC émotifs, si vous ne prenez pas la force de votre conviction, si vous ne pouvez pas défendre une cause, dégagez de la voix et laissez ceux qui peuvent porter, qui peuvent défendre la cause continuer. Arrêtez de vous monter dans les lives, arrêtez de mettre des commentaires où il faut calmer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ok, je vous envoie, aller sur la page de Christian de Monaco, où il avait calmé Thérèse. Ok, est-ce que cela l'a empêché? Diamant Blanc a fait la même chose. Est-ce que cela l'a empêché Thérèse à continuer avec à sa folie là? À un moment donné, ok, nous sommes fatigués de nous coucher. Mieux. Nous sommes fatigués de nous coucher. Pour ceux qui veulent, tu vas accepter qu'on se couche sur chez Moyo. Et je vous demande encore de descendre sur terre, car le divorce est consommé. Good night. Good night. I thank you, Una. Go contribuer for Kayon for my paper for day. Je vais broder un peu sur celui-ci. C'est ce cas qui m'intéresse parce qu'il a tout dit. Il a pratiquement tout dit. Ndolé, je te ferai un live seul demain, concentré. Mon live demain, donc je vais éliminer beaucoup d'hypothèses aujourd'hui. Comme ça, pour avoir vraiment le room to breathe. Tu sais que tu vis aussi avec beaucoup de chair. Donc il faudrait que je te claire la voix pour te donner vraiment de l'espace pour que tu puisses mieux respirer dans mon live demain. Donc ça, ma concentration sera énormément sur toi demain. Par exemple, tu dirais beaucoup de fat. Voilà, tu as beaucoup de fat en toi. Donc, ta sœur que je suis, je vais te donner l'honneur de te donner seulement mon espace à toi seul, concentré à toi seul, pour que tu puisses être à ton aise. Donc, tu as besoin de beaucoup de trous d'aération. Voilà. Donc, je ne pourrais pas mettre beaucoup de monde là, pour t'étouffer. Parce que toi seul, ok? Toi seul, ton corps là, c'est au moins le corps de 100 personnes comme nous. Voilà. Donc, demain là, ce serait que sur toi. Donc, quand tu fais ta sortie d'aujourd'hui là, ne me rate pas. Parce que je ne vais pas te rater demain. Ne me rate pas et ne m'appelle pas Marie-Thérèse. Je ne veux pas que ton Marie-Thérèse est là. Ma part, c'est le Thérèse. Il n'y a pas de Marie sous mon nom. Voilà. Ça laisse à la confusion. Ton truc que tu dis que Marie-Thérèse là, je ne connais pas le traumatisme que tu as eu de ta vie d'une certaine Marie-Thérèse. Donc quand tu veux parler de moi là, parle, dis que Thérèse. Voilà. Thérèse, je ne veux pas de Marie. Voilà. Donc, quand tu veux parler là, comme tu as commencé à parler hier nuit là, voilà, je veux que mon nom soit mon nom propre à moi. Je ne veux pas le nom des inconnus collé à mon étiquette. Voilà. Donc, moi je vais vous parler ce matin. Parce que ce n'est pas seulement votre petite personne qui vous concerne. Et j'ai vu beaucoup les commentaires comme les Sylvie, on l'appelle que Sylvie Mangeon. Des gens qui dormaient ici sur mes panels me traitaient de folle, de ceci en commentaire ou quoi que ce soit, machin dans ton live et tout. I don't give a fuck. Voilà. C'est pour ce côté-là, je m'en fous éperdument. Vous allez raconter tout ce que vous racontez. Elle est ceci, elle est folle, elle est ceci. J'accepte que je suis folle. Mais la folle que je suis, je vous ai tué dans le noir. Voilà. Vous avez été dans ma queue. Donc, ça veut dire que si vous suiviez une folle comme moi, ça veut dire que vous êtes des folles et des fous. Et nous, on a le même docteur et dans le même office building. On a le même docteur et même dans le même office building. Ce n'est pas qu'il me consulte à 6731 et il vous consulte à 6735. Non, c'est dans le même office building. Voilà. Aujourd'hui, là, parce que ça ne sent plus comme
ok? Ça ne sent plus comme vous auriez souhaité. Vous me traitez de folle, elle est ceci. J'accepte. J'accepte, mais je vais dire vos vrais noms. Et c'est ça mon issue avec votre groupe. Je vous dis qui vous êtes. Toi, le fessu des États-Unis. Toi, ce fessu qui vit ici à Maryland. Toi, tu n'as pas donné 1 500 € aux gens dans le noir pour bec que tu veux voir le bout de les seins dans le noir. Parce que tu es incapable de te faire niquer par une femme dans la rue ici. Voilà. Tu ne peux même pas sortir pour marcher tes pieds qui croisent remplis de beaucoup, beaucoup de boutons de frottement. Arrête d'enlève mon nom dans ta bouche. Je n'ai aucun compte à te rendre. Et je suis fier de là où je viens. Je suis fier de là où je viens. Comme vos épaules gonflent là. Comme vos épaules carrées sont au-dessus de vos oreilles là. Ma part aussi est que posée que sur ma tête. Mes épaules sont posées sur ma tête. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Mes amis, je l'ai choisi. Ok? Mes amis, je l'ai choisi. Je sais d'où je viens. Je connais ma moralité. Je connais ma personne. Je n'ai pas besoin d'une validation qu'on sur les réseaux sociaux des gens dans le noir que je ne connais pas comme vous. Ok? Qui est divorce ou pas, je connais qui je suis. Et je reste la même. Quand je faisais du sale pour vous, c'était pas que... Quand tu dormais dans mes panels, c'était pas qu'il y a divorce. Je n'ai rien. Le divorce même en lui-même n'est pas fait pour des chiens. Ok? On choisit ses amis dans la vie. Et le divorce n'est pas fait pour des chiens. Quand ça ne va pas, on se sépare. Voilà. Quand ça ne va pas, on se sépare. Voilà. On peut ne pas choisir ou bien avoir le luxury de choisir sa famille. Non, pas avoir le luxe de choisir ses amis. Et je connais choisir mes amis. Je connais à mon âge à quel groupe j'aimerais appartenir. Je ne frotte pas avec les tribalistes. Je ne me frotte pas avec les tribalistes. Ok? Je ne me frotte pas. Je ne mange pas dans le même plat avec les tribalistes que vous êtes. Allez vous faire voir ailleurs. Voilà. Quand je suis venu pour perpétuer Maléba, quand je parlais pour perpétuer Maléba, c'est parce qu'elle était ma soeur Bamileke. Quand la folle que je suis aujourd'hui parlait pour perpétuer Maléba, je n'étais pas la soeur quoi. Que vous voulez me dire aujourd'hui que je suis une Bamileke. À l'époque là, j'étais toujours Bamileke. Quand je venais me déshabiller sur Facebook pour perpétuer Maléba, je n'étais pas en quoi. J'étais la Bamileke folle que je suis aujourd'hui. La même personne que je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai parlé ces temps-ci. Mon père vient de sortir d'un diabète comatique de 8 jours. J'ai porté mon caleçon de femme que je suis. J'ai pris tout sur moi. J'ai fait des sorties ces jours. Mon père était dans le coma pour venir parler ici. Pour ma soeur qu'elle est. Même mes proches, je ne leur ai pas dit. Parce que je ne voulais pas que personne ait pitié de moi. J'ai vécu ma vie sachant que ce que je vivais dans ma famille. Ok? Mon père est sorti d'un diabète comatique vendredi matin. 8 jours. Toute la semaine passée, était ici en train de crier pour perpétuer Maléba. Ok? J'étais sur Facebook quand mon père était dans un diabète comatique. A continué à crier pour perpétuer Maléba. Ok? Voilà. Je n'ai aucune leçon à prendre de vous. Fichez-moi la paix une fois pour toutes. Ok? Fichez-moi la paix. J'ai honte de parler de tribalisme à mon âge. J'ai honte. Vous êtes des Dracula. Vous êtes des King Kong. Vous êtes. Excusez ma vie. Excusez ma vie. And fuck all of you. Voilà. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Et je ne vous fréquenterai plus. Et nous ne serons plus des amis. Bande de tribalistes que vous êtes. Je ne mangerai plus jamais de votre pain. Allez vous faire foutre. Ok? I'm the wrong bitch. Pour le moment, vous qui dites que oh, elle va insulter, je n'ai aucun problème avec ma soeur Perpétue Maléba. Tout ce qu'elle m'a toujours montré, c'est du respect et de l'amour. Et ça, je le lui renvoie. Pareil.
Mon amour pour elle n'a jamais bouché de Yoda. Jamais, même d'une aiguille. Jamais. Parce que c'est ce qui sort de sa bouche là qui compte pour moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ok? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je connais ce qu'on appelle le sacrifice. Je connais ce qu'on appelle de l'amour pour le prochain. Et je l'ai prouvé ces jours-ci. Même la main d'Ocas. Parce que le combat était rude. Je ne lui ai jamais dit que mon père était dans un diabète comatique. Je parle en cognant ma main. Ça, c'est un dimanche matin. Mais Madokas va découvrir ça avec vous au même moment, à l'instant T que vous. Mon père fait 8 jours de diabète comatique. Il en est sorti seulement de là. Vendredi matin, comme je vous parle, il est encore à l'hôpital. Il est encore à l'hôpital. Ok? Ça ne m'a pas empêché. Parce que j'étais là. J'ai cru au projet de ma soeur. Voilà. Love goes on. J'ai cru en elle. J'ai mis ma peine à côté. Je me suis sacrifié toujours. Comme d'habitude, j'ai pris sur moi. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un dise que, ouais, machin. Non. Pas this money. J'ai été là pour vous. Ok? J'ai été là. Dans la douleur et dans votre peine. J'ai été là. Mettant la mienne, ma douleur propre, ma douleur personnelle à côté. Vous n'avez jamais été là pour moi. Voilà. Vous n'avez jamais été là pour moi. Parce que pour si peu. Ok? Voilà. Fichez-moi la paix. J'ai mes problèmes personnels. J'ai la capacité de me concentrer sur ma propre vie. Voilà. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé au travail. J'ai montré la photo, la vidéo qu'on m'avait envoyée de mon père avec tous les appareils pleins en ligne. Mon manager me dit que non, je ne peux pas avoir mes yeux enflés comme ça. Mon manager me dit que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je lui ai dit que non. Failure is not the resolution. Je lui ai dit que non, je ne peux pas aller rester à la maison et me fondre. Je ne peux pas. Moi, je vais travailler. Il me dit qu'il y a eu chaud. Il me dit oui, je vais travailler. Il m'a donné un big hug. Il m'a serré dans ses bras. Il me dit va cool off quelque part. Reste que va prendre ton coffee, va do something, va cool off. Je suis allé rester quelque part 35 minutes. Je suis revenu, j'ai pris mon shift. J'ai enfilé ma tenue. J'ai porté ma veste, j'ai porté ma cravate. J'ai fait ce que les soldats font. Quand je suis rentré le soir, je suis venu ici. J'ai mis ma caméra, j'ai crié. Wow, 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 saleté, déchet. Vous pensez que vous valez ma pépé? Wow, 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 ma pépé, wow, machin truc. Ok? En ayant ma peine. Tout en ayant ma peine. Voilà. Donc fichez-moi la paix. Je me suis sacrifié pour vous. Vous ne vous avez jamais. Vous n'êtes jamais sacrifié pour qui que ce soit. Et même pour vous qui parlez au nom de la TKC, vous n'aimez pas Perpétue Maléba. Vous n'aimez pas Perpétue Maléba. Je vous l'ai dit avant-hier. Je vous l'ai dit hier et je vous le dirai aujourd'hui. Vous n'aimez pas Perpétue Maléba. Ok? Parce qu'il n'y a pas d'enfant sur Facebook pour dire qu'on doit vous sonner la cloche d'alarme. Vous n'aimez pas Perpétue Maléba. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre propre personne. C'est votre petite personne. C'est votre ego. C'est votre petit ego-là qui vous intéresse. Vous n'avez jamais été là pour elle. Moi, j'ai été là pour elle. Ok? Je pouvais venir ici mettre ma caméra. Oh, machin. Jamais. Même mon anniversaire. Je n'ai jamais posté mon anniversaire. Jamais. It's never always about me. Moi, je mets toujours les gens en avant. It's never always about me. C'est comme ça que je suis. C'est ma nature. Et vous n'allez jamais me changer. Vous n'allez jamais changer la belle personne que je suis. Jamais. Parce que ce n'est pas de vous là. Même de mes enfants, je les reçois. Ma bénédiction là, je ne la paye jamais. Mes bienfaits ne sont jamais perdus. Je ne vous connais pas. Et je n'ai pas envie de vous connaître. Donc pour vous là, c'est du next. Voilà.
et ma relation avec quiconque que ce soit ne souffre de rien. Ne souffre de rien. Je ne vous gère pas. Que vous dites aujourd'hui que c'est, je suis parti faire les commentaires. Montrez-moi les commentaires. Toi, Ndolé, je ne veux même pas. Je ne veux même pas salir. Parce que j'ai prononcé le nom de mon père dans ce live. Ok? Je ne veux même pas salir l'image de mon père que j'ai collé dans ce live avec les propos injurieux. Ok? Donc, je te rappelle que montre-moi, sors tous les captures d'écran. Parce que j'ai crié haut et fort dans ton live que je faisais les commentaires chez Madokas. Donc, sors tous les captures d'écran de mes commentaires que j'ai, où j'ai insulté Perpétue Maléba, je Madokas dans ces lives. Sors-moi tous les captures d'écran de tous mes commentaires. Là où j'ai placé un mot déplacé à la personne de Perpétue Maléba. Sors-moi tous les captures d'écran. Ok? Voilà. Pour vous encore, qui dites que c'est tel ou tel qui a arrangé mes problèmes et ma pépé. La personne est avec Maman Dorcas, autant pour moi. La personne est allée dire à Maman Dorcas ce qu'elle a dit. Parce que j'avais déjà dit à la veille, parce que la Maman Dorcas était allée chez nous rencontrer ma mère. Elle a fait deux fois. Ma Dorcas et moi, on a parlé sur le téléphone de ma mère. Ma mère nous a conseillé. J'ai parlé avec ma Dorcas sur le téléphone de ma mère. Elle était chez nous. Ok? C'est vrai que la deuxième fois, quand elle est partie dire au revoir à maman, eux m'ont appelé. J'étais occupé au boulot, je ne l'ai pas vu. Donc, quand tu parlais que, oh, Mate, j'avais dit à ma mère que, mais quand maman, quand maman doit pas venir ici au stade, on va parler, il n'y a pas de problème, j'ai compris tout ce qu'elle nous a dit. Ok? Donc, il y avait dans cette terre d'apaisement. J'avais fait dans un lave à la veille, je voulais dire que laissez ma Dorcas comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je savais qu'il y avait dans l'air d'apaisement. Il y avait dans l'apaisement. Donc, elle venait pour dire que, ouais, c'est, non. Et même. Ok? Et même. Ok? On peut voir deux sœurs en train de s'entretuer et mettre du calme, ok? Et leur donner de l'eau bénite. Il n'y a pas du mal à cela. Mais qu'est-ce que venir vouloir prendre du crédit? Que non. Ok? Madokas est allée chez ma mère. Madokas est allée chez ma mère. Le dimanche où Madokas est allée chez ma mère, elle a trouvé ma mère assise dehors en train de pleurer dans son balcon. Parce que le mariage de la fille qui est tombée, elle est morte, d'ailleurs. Ma mère était à ce mariage avec ma petite soeur. Donc, je n'ai pas voulu, parce que c'est une petite que je connais très bien. Elle était l'ex-fiancée de mon petit frère, qui est à Londres. Donc, on la connaît très bien, c'est notre soeur. Je n'ai pas voulu parler de ça ici. Pour ne pas suer sa mémoire. Je n'ai même pas fait allusion. Le jour que ma Dorcas est allée chez ma mère était assise en train de pleurer de ce deuil-là. Ma mère était à ce mariage. La fille qui chantait, quittez-o, elle est tombée, elle est morte. Ok? Ma mère était à ce mariage avec ma petite soeur. Ma Dorcas est arrivée chez nous vers 13h. Ma mère était dehors avec encore son habit de mariage sur elle, en train de pleurer. Ce soir, comment on l'appelait? Voilà, elle s'appelait Sorel. Moi, on l'appelait de par son petit nom Soso. Donc, fichez la paix aux gens. Vous le connaissez parce que les gens endurent dans leur propre vie. Arrêtez de vous concentrer sur votre petite personne. Fichez la paix aux gens. Les gens ont leur propre vie. Ok? Fichez la paix aux gens. Les gens ont leur douleur que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas dans quelles conditions. Je suis en train de vous parler ce matin. Fichez la paix aux gens. Ce n'est pas votre petite personne. Ce n'est pas seulement la personne de Petit Maléba qui compte dans la vie. Ok? Il y a aussi d'autres choses qui comptent dans la vie. Ayez l'esprit ouvert. Demandez aussi aux autres, are you okay sometimes? Ok? Des idiots comme vous. Des idiots comme vous. Vous avez fait comme Petit Maléba.
Qu'est-ce que vous racontez de la Nimbox? Qu'est-ce que vous racontez de Perpétue Malemba à Nimbox dans le noir? Vous venez là pour vous exhiber. Ok? Fichez le camp. I don't give a fuck about any of you. Je ne vous gère pas. Des déchets comme vous. C'est quelle palabre qui ne finit pas. On ne connaît même pas sur quel pied danser avec vous. Pourquoi vous êtes en transe? Pourquoi? C'est quoi? Relax! Relax! Mon père sort d'un diabète comatique de 8 jours. Mais j'ai été tué, savez-vous. Vous ne l'avez même pas aperçu, même. Dans le fond de ma voix. Ok? Faites pareil. Soyez des grandes personnes. Sachez suck it up sometime. Des déchets comme ça. Des tujus à propos de vous. Des tujus vous, des tujus vous. Vous croyez que qui vous donne la permission de vouloir dénigrer les gens tout le temps que vous croyez? Qui vous donne cette permission? Ceux qui étaient là hier pour vous. Même pas, je n'ai même pas encore ouvert la bouche. J'ai parlé comme j'ai parlé. J'ai prononcé de ma Perpétue Malemba. Vous croyez que j'ai peur d'elle? Je n'ai aucun problème avec elle. Et moi, je n'invente pas. Je n'invente pas que des choses pour mettre sous le soleil. Moi, je n'invente pas. Tout ce qu'elle m'a toujours montré, ce n'est que de l'amour et du respect. Et ça, je lui ai toujours envoyé. Ne dessinez pas le diable au mur. Imbécile. Pour qui vous prenez? Vous connaissez ce que... C'est vous qui payez la facture de téléphone des gens pour se connecter, pour parler, pour faire votre tapage là. On vous a dit que c'est à l'église, bon again, ou bien réveillez-vous. Des conneries. Respectez ceux qui étaient là pour vous hier. Ok? Tu connais pour aujourd'hui. Ne prends pas l'enfant du ventre qui simplifie celui de la main. Ne prends pas l'enfant du ventre qui simplifie celui de la main. Ok? J'étais là pour vous. Respect oblige. Quel qu'en soit le cas, respect oblige. Voilà. Quand je parlais de la TKC, c'est cette petite minorité de tribalistes qui a infiltré la TKC. Et si rien n'a, il n'y a même pas une virgule, s'est déplacé de ce que je vous ai fait savoir de vous. Cette petite minorité de tribalistes là. C'est la mate, c'est la comté, c'est la folle qui vous parle. C'est la folle qui vous parle. Ok? Si vous connaissez le comprimé pour me soulager, ne m'en donnez pas. Ne m'en donnez pas. Si vous connaissez même le médecin qui peut me soigner, qui peut me sentir, qui peut me faire sentir mieux, ne me le montrez pas. Je vous dépasse. J'ai des capacités que vous n'avez pas. Ok? Mon habileté là ne me permet pas de me frotter aux gens comme vous. Tout ce qui ne tue pas renfort. J'étais avec Madokas. C'est avec la permission de Madokas que j'ai mis mon premier live pour supporter Perpétue Malemba. C'était avec l'accord de Madokas parce que j'étais avec elle. Donc, si elle était vraiment une mauvaise personne, elle m'avait dit que non, Maté, ça aurait été ça. Ok? Allez vous ébranler somewhere else. Allez vous ébranler somewhere else. I don't need you. I don't need you, guys. Je n'ai pas besoin des gens comme vous. Je n'ai pas besoin des insécures. Je n'ai pas besoin. Ok? Do the right thing for your life. J'ai été là pour Perpétue Malemba et je serai toujours là pour Perpétue Malemba. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il faut avoir du clan pour être leader. Et Perpétue doit faire du ménage dans sa team. C'est valet. C'est qui va aller haut la montagne à ménager sa monture. Voilà, il y a trop de sale là. Ça fait trop du sale en son nom. Et ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, pas en ce moment, à ce que je sache. Pas en ce moment, à ce que je sache. Donc, fichez-moi la paix. Voilà. Fichez-moi la paix. Quand j'ai été injurié ici, moqué,
méprisée, sabotée pour la sueur de mon front. Que je me suis levée comme ça. J'ai voulu rendre, faire honneur à ma soeur en lui offrant un cadeau d'anniversaire. Les gens se sont moqués de vous, de moi, on fait ceci. Je ne vous ai jamais vu faire un post, même pour dire que non. Pardon, le geste de bienfaiteur de ma tête, pardon, respectez cela. Ok? Vous avez animé, vous avez attisé le feu. Vous avez attisé le feu. Mais intérieurement, je savais qui j'étais. Je sais qui je suis. Voilà. Je fais beaucoup dans le noir. Beaucoup. Et je n'attends rien. C'est ma nature. Je fais ce que j'ai grandi en voyant mes parents faire. Et vous n'allez jamais changer. Ce n'est pas votre idiotie là, ok, qui changera la belle personne que je suis. J'allais vous faire foutre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je vais où je veux. Je parle avec qui je veux. Je choisis qui je veux comme mes amis. Vos petits trucs, de petits trucs d'appartenance là, je suis trop bien pour ça. Dans le clan de mes amis, il y a de tout. Il y a de tout. Moi, de ma personne, de l'éducation, le stand de vie qui m'appartient aujourd'hui ne me permet pas d'ouvrir ma caméra tous les jours pour parler de certains groupes de tribalistes. Je n'aimerais pas. Thank God que je parle que dans le noir. Je ne pourrais jamais coller mon visage à ce genre de live. Jamais. Même dans le système, même le système dans lequel je vis ne me permet pas de tenir ce genre de langage. Je ne collerai jamais mon image. Et merci pour Madoc qui m'avait dit, connaissant mon travail, connaissant ma vie, qui m'avait dit ne fais jamais un live à visage découvert. Jamais. Madoc me l'avait dit. Quand elle créait ma page, elle m'a dit, Maté, la seule condition, ne fais jamais un live à visage découvert. Elle m'a dit que nous sommes là tous sales, mais je n'aimerais pas traîner d'autres personnes dans notre saleté. Jamais ne fais jamais un live à visage découvert. Madoka l'a dit, quand elle créait ma page, c'était la seule condition. Et je l'ai toujours respecté. Je ne me suis pas caché. Je ne me suis jamais caché. Je n'ai jamais été faux profil. Je vis à Maryland depuis 26 ans. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît dans la vraie vie. Je fais des réunions. Je fais ceci, je fais cela. Je n'ai rien à me reprocher. Je vis ma vie sans nuire à celle d'autrui. Je suis clean. Si même de mes 26 ans, j'avais fait n'importe quoi, c'est que c'est de la sortie avec les faux profils. C'est que les gens, même mes amis dans la vraie vie, entreront dans les faux profits pour venir donner ma vraie définition ici, en temps réel. Mais jamais. Jamais. Donc je reste et demeure la personne. Avant de venir être ici là avec vous, je suis d'abord la fille de mes parents. Je suis la première fille d'une famille de 7 enfants. C'est moi l'aîné. Je tiens la queue. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, je pense d'abord à mes parents. Je pense d'abord ce que mon père va dire. Si on lui dit que, je imagine un peu la réaction de ma mère. Si on lui dit que, d'abord, avant vous tous là. Donc ce n'est pas la réaction des petites personnes que vous êtes qui compte pour moi. C'est la bénédiction de mes parents qui compte pour moi. Mon père a embrassé mon front hier au téléphone. Quand je parlais avec lui en vidéo, mon père m'a embrassé le front. Ça vaut mieux que toutes vos pipis du chat de Facebook. Je n'ai pas de compte à vous rendre. J'ai mes problèmes familiaux. Ok? Voilà. Donc, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Moi, la relation humaine est plus importante. Comme je l'ai dit dans le live de Madoc hier, dans mon intervention. La relation humaine est plus importante que tous vos pipis de chaque argent. Dans mon entourage, on ne parle pas d'argent. L'argent, c'est pour faire ses besoins. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la santé.
Il y a d'autres priorités que l'argent. Il y a d'autres priorités que l'argent. Voilà. Donc, si vous n'avez pas connu le bien-être, et le bien-être n'est pas toujours le luxe, voilà, on peut manger son riz sauté et boire son eau et être satisfait et être comblé. Toi, comme d'autres peuvent manger leur caviar et être incompris et être malheureux. Ok? Donc, la vie, c'est un choix. Chacun connaît où trouver son bonheur. Faites pareil. Retrouvez vos saules. Creusez au fond de vous. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent même pas qui ils sont. Creusez au fond de vous. Creusez au fond de vous. Si Dieu n'avait pas continué à nous blesser, ma famille, mon père, nous, on n'a jamais connu le malheur dans notre famille. Mon père nous a accouchés avec ses deux femmes, sept enfants. Ses parents vivent. Les parents de ma mère vivent. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Dieu l'a toujours blessé. Ok? Donc j'ai de l'amour pour tout le monde. J'ai toujours eu de l'amour pour tout le monde. J'ai la grande gueule, certes, et tout. Mais je ne pique pas. Je ne mords pas. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Je peux venir cela avec mon caractère de compter Nas ou Maté. Oh, oh, machin, truc. Mais quand j'étais le. Quand je rentre, quand j'étais ma caméra là, je rentre dans ma peau. De l'enfant d'eux. Les soeurs d'eux. Voilà. Donc, allez chercher votre happiness. Moi, mon happiness, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Madoka, on a une relation vraie. Quand j'ai eu mes différences avec elle, vous dites que, oh, sort les balles. Vous dites que je ne connais pas, je n'ai pas moi les balles sur elle. Je n'ai pas parce que j'étais sincère avec elle. Je ne vis pas moi avec les gens en attendant que demain, on aura les problèmes, j'aurai les balles. Non, 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 non. Je vis ma vie. Je vis ma relation pleinement. Sans dire que, oh, machin truc. Même si j'ai caché la maladie de papa, c'est parce que je voulais que non, que Madoka n'ait pas de la compassion pour moi. Que quand je ne viens pas ici, que quand je viens ici, là, peut-être pour un peu me défouler un peu l'esprit, qu'elle ne me retienne pas. Qu'elle ne dise pas que non, Maté, machin, machin, calme-toi, non. Et je l'ai fait avec bravoure. Voilà. It's never always about me. Je me mets toujours la dernière. Toujours la dernière. Il y a des jours comme ça, j'apporte mon linge au travail. J'ai mes collègues diabétiques là qui ont le petit problème de santé. Parfois, comme ça, ils n'ont même pas de quoi manger pour boire le médicament. Je pouvais leur donner ma nourriture et rester comme ça. Parfois, même mes bouteilles d'eau. Même mes bouteilles d'eau et rester comme ça avec la gorge sèche. Parce que je n'aime pas boire l'eau de Waterfront là. Je n'aime pas. Et restez-moi comme ça. C'est comme ça que je suis. Si j'ai la bouteille d'eau, c'est là. Je vois que toi, tu es là. Tu en as besoin plus que moi. Je te donne ça et reste tranquille. C'est comme ça que je suis. Je parle ici à Maryland, tout le monde me connaît. C'est comme ça. Personne n'entre chez moi et ne repart avec le sac vide. Jamais. Ça ne cale jamais dans mes poches. Jamais. Voilà. Donc, ayez votre vie. Voilà. Laissez Perpétue tranquille. Parce que vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes que des tribalistes. Vous venez vous cacher chez elle pour faire du sale. Pour mieux exposer votre haine envers mon peuple. Je suis bamileke et fier de l'être. Ok? Don't get it twisted. Je suis bamileke de Bafan, Bangou, Bala, Bakonji. Et fier de l'être. Et rien ne changera. Ok? Et j'appartiens à tout ce qui a, à tout ce qui est, à tout ce qui contient la carte du Cameroun. Je suis une Camerounaise dans l'âme. Pas seulement une Bamileke. Je suis une Camerounaise. Quand j'ai rencontré un Camerounais en aventure, il n'a pas, comme il était au Nico Store, pour acheter un peu quelque chose, je suis en train de déjà faire mes gros séries shopping pour Thanksgiving et tout, parce que Thanksgiving ici chez nous, c'est jeudi prochain. Donc, je me suis arrêté là pour commencer à acheter des trucs, parce que la dernière seconde, parfois tu pars, il y a rupture de stock.
Donc, je suis partie. Il y a un gars, et tout, il était derrière moi. Il me dit, oh, quand je me suis retournée comme ça pour aller prendre quelque chose que je voulais encore, il me dit, quand je suis revenue, il me dit que you speak French. Je lui dis que oui. Mais j'ai senti que parce que je suis au téléphone peut-être 2 secondes avant avec une amie, on a parlé en patois et tout. Il me dit, vous êtes camerounaise? Je lui dis que oui. Je lui dis, et vous? Il me dit que oui, je suis camerounais. Il me dit, vous sentez bon. Il dit, oh merci. On a un peu sympathisé et tout. Je lui ai demandé que vous habitez dans le area parce que je vis quand même ici depuis 26 ans. Je connais pratiquement tous les visages. Il me dit que non, il vient de l'autre côté et tout. Il fait le Uber et tout. Donc, c'est tombé qu'il soit venu déposer un client ici. Et il est aussi venu dans le liquor store pour acheter la boisson parce qu'il est en train d'aller à une veillée. Donc, il est venu comme ça pour acheter les cartons de bière qu'il va donner à son ami qui a perdu sa mère et tout. Je lui ai pas demandé que tu es camerounais d'où, tu es d'où, machin, truc. Jamais. Jamais. Voilà, Orisha. C'est ma petite soeur de cœur. Je lui ai jamais demandé que tu viennes d'où. Orisha et moi, on parlait les 4 heures de temps au téléphone. Je n'ai jamais demandé à Orisha que tu es de quelle région au Cameroun. Jamais. Et pour vous le dire, jamais. Jamais. Je n'ai jamais demandé que tu sors d'où au Cameroun. Jamais. Ok? Voilà. Allez faire vos vies. Il y a beaucoup de choses qui comptent dans la vie. Donnez de l'amour là où il faut. Soyez de belles personnes. Voilà. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes. Votre gourmet de ma pépère là, vous gérez ça en groupe. Mais mon gourmet là, je gère ça seul. Je gère ça seul. Heureusement que c'est tombé, même que mon gars est au pays, il maîtrise la situation. Donc il me gère à distance, il me calme et tout, il maîtrise. Parce qu'au moins avec lui, les choses seront vite faites, bien faites. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand il voulait aller au pays, il dit que non, ne pars pas maintenant, machin, pas en janvier, non. Il me dit que non, c'est mieux qu'on aille faire comme ça maintenant et tout. Dieu merci qu'il était là. Et c'est lui qui a vu le regard de mon père que non. Mon père perdait la conscience. Parce que papa ne se sentait pas bien depuis quelques jours. Mais il a toujours son physicien là qui vient à la maison, lui fait des petits trucs et tout, et tout, tout. Mais le jour là, mon gars allait comme ça, il a dit que non, papa ne va pas bien. Je vais l'amener à l'hôpital. Je lui dis que mais je viens de parler à lui là, comme ça. Il me dit que oui, il ne va pas bien. Je vois son regard et tout. C'est comme ça. À peine il est arrivé comme ça à l'hôpital à mon père. Même pas 5 minutes. On n'a même pas fini de prendre ses paramètres et tout. Il a fait un diabète comatique. Il est tombé dans le coma. Donc, fichez la peau aux gens. Ok? Fichez la peau aux gens. Je ne voudrais plus que toi, Osmarius. Voilà. Que Perpétue m'ait respecté. Perpétue a le droit de me respecter. Parce que je lui ai toujours envoyé le même respect. Donc, il n'y a rien sous le soleil. Le respect est mutuel. Si elle n'avait pas vu que je la respectais, elle ne m'aurait pas respecté. Parce que ma Perpétue et moi, là, on a le même caractère. Des femmes fortes. Nous sommes des femmes fortes. Voilà. Tu vas pleurer loin. Va pleurer loin. Sinon, fiche-moi la paix. L'amitié n'est pas forcée. Fiche-moi la paix. Et attends le jour que je vais mettre ma caméra avec le ticket. Pépé, tu vas aller bas. Viens ici. Ok? Ça n'arrivera jamais. Parce que je ne mange pas mon vomi. Elle ne m'a rien fait. Donc, je ne dis pas quelque chose pour réavaler ma parole. Elle ne m'a rien fait. Je ne vois pas comment ou quoi que ce soit. Ok? Voilà. Mais il faut que Perpétue fasse du ménage autour d'elle pour mieux avancer. Ça, je le dis haut et fort. C'est ensemble. Vous savez, les deux mains qu'on attache. Ben, tu ne peux pas te sacrifier un truc que tu as créé, un truc qui te tient à cœur, au nom d'un petit groupe, par plaisir pour un petit groupe, et délaisser un autre petit groupe. Non, c'est tous ensemble qu'on est fort. C'est tous ensemble qu'on fait avec. C'est aujourd'hui que vous savez que la team de Perpétue là, tu m'as appartenu ou pas. C'est aujourd'hui. Parce que vous me faites savoir aujourd'hui, on m'a dit ça avant, hein. C'est l'intention qui m'avait retenu avant, que je ne voulais pas même frotter à vous. Mais quand j'ai vu toute la peine qu'elle avait, toute la peine
qu'on la clashait tous les jours. Il dit que non, c'est n'importe quoi. Moi, de ma grandeur, je vais aller toucher sa main du doigt et confirmer. Je suis venu me donner de nulle part. De nulle part. Je suis venu me donner de corps et âme. J'ai fait de mon mieux. Parce que chacun fait que chacun amène sa petite édifice. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. J'ai mis les miens à dos. J'ai mis les miens à dos pour perpétuer ma leba. Mais j'aimerais profiter pour leur dire aux miens là, je vous ai manqué du respect. Je vous ai humilié. Mais sachez que c'était pour une bonne cause. Et je vous demande pardon. C'est la manière dont j'ai pris la chose en ce moment. C'était mon feeling en ce moment. Ne me jugez pas. Si ça avait été pour vous là, j'aurais fait pareil. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'humiliation. Mais tout ce qui ne tue pas renfort. J'ai repris de la sagesse. Je me suis ressaisi. On peut dénoncer autrement. On peut s'indigner autrement. Donc vraiment, nous sommes dimanche matin. Je sais que je ne peux pas dire que si je vous ai, je sais que je vous ai heurté. Mes soeurs, je n'ose pas, parce qu'il y en a beaucoup. Je n'ose pas les énumérer de par les noms. Il y en a beaucoup. Je vous ai toutes piétinées. Toutes piétinées. Je vous demande grandement pardon en ce dimanche matin. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites de vous, ce que je ne pensais pas. Beaucoup de choses que j'ai dites de vous que je ne pensais pas. Mais ma part s'arrêtait seulement sur Facebook là. Je ne suis pas quand j'éteignais ma caméra. Je n'ai jamais été moi dans un groupe dans le noir. Pour concorder quoi que ce soit. Pour vous faire du mal. Jamais. Ni entendu. Même le vent. Même le vent d'un complot contre votre personne n'était jamais passé dans mon oreille. Je n'avais jamais assisté à une réunion pour vous faire du mal dans le noir. Ma part s'arrêtait ici là dans mes aboyements. Jamais. Je ne suis moi jamais allé au lit en pensant du mal de vous. Quand j'éteignais mes caméras, parfois je riais jusqu'à. Pour moi, c'était amusant. Mais parfois, ce n'est pas toujours amusant. Excusez-moi. Quand on tape l'enfant, on ne jette pas l'enfant dehors. Quand on tape l'enfant, on ramène l'enfant dedans. J'ai fait beaucoup de sale en votre nom. Vraiment, en ce dimanche matin, je vous demande pardon. Si vous pouviez retourner ma caméra pour vous voir, pour me voir, je vous demande pardon. J'ai les mains en haut. Mes deux mains sont en haut. Je n'ose pas vous énumérer de nom. Je vous ai heurté, vous toutes. Vous vous reconnaisserez. Je vous ai heurté, vous toutes. Au nom de la team, aujourd'hui, qu'on m'appelle que la folle. Mais j'accepte que je suis la folle. Je suis la folle du village. Voilà. Vous m'avez montré que si quelque chose m'arrivait, si quelque chose m'arrivait, vous n'auriez jamais été là pour moi. Hier, je n'ai même pas pu être dans cette direction. J'étais tellement émotionnel. J'étais tellement émotionnel. Je pleurais hier au travail. Tellement émotionnel. De voir avec quelle légèreté mes soeurs Bamleke m'ont dit que non. Mais c'est n'importe quoi. On te prend d'abord. On te prend d'abord. On va mettre nos problèmes à côté. On te prend d'abord. Vous avez voulu m'humilier en croyant que j'étais dos au mur contre mes soeurs. Je n'aurais jamais où aller. Mes soeurs m'ont dit que même c'est n'importe quoi. On est ensemble d'abord. Et ça, je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Toute ma vie. Et la vie n'est qu'une leçon. La vie n'est qu'une école. Tous les jours, on apprend. Tout ce qui ne tue pas rend fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hier, quand je vous entendais dans les lives parler de moi, dis que non, c'est notre sœur. Elle ne fait pas ceci.
J'ai compris que vous ne pouvez pas aussi traverser sous mon corps. Parce que quel qu'en soit ce que j'ai dit ici, là, de par le passé, j'ai toujours dit que non, je ne peux pas traverser sur votre corps, sur votre sang. Je l'ai toujours dit haut et fort. Dans ma part, comme je l'ai dit tantôt, ça arrêtait ici. Je ne finissais pas ici, là, et éteindre ma caméra pour rentrer dans le noir, concorder quoi que ce soit avec qui. Même le vent de Sao. Même le vent dit que même d'autres personnes sont allées concorder et venir me dire. J'ai écouté. Je n'ai même pas réagi. Ou bien je ne suis même pas venu vous dire. Pour prévenir. Pour que vous soyez en connaissance de cause. Je n'ai moi jamais même entendu. Je n'ai jamais assisté. Là où on fait les réunions pour faire du mal. Jamais. Même à Dorcas, dans nos conversations téléphoniques, on a toujours bien parlé de vous. J'ai dit à Madoka, même depuis que Madokas, il m'a dit, tata Lolo, il n'y a pas eu mort d'homme. Même avant qu'elle et moi tombent en froid. Il disait que non, Mad, il faut le laisser comme ça. Il n'y a pas eu mort d'homme. Laisse, arrange ton poids et ta soeur. Tout le monde aimait votre ambiance, votre ambiose et tout. Même avant qu'elle et moi, on est des différents. Jamais. Ma part s'arrêtait seulement dans la lumière de Facebook. Je ne rentrais pas moi dans le noir avec. Jamais. J'ai honte de cet indice. Donc, ok, je referai peut-être un autre. Je vais refaire, c'est parce que c'est un truc qui brûle en moi. Il a fallu que je sorte, parce que j'avais l'intention quand même de faire un live. Je vais faire un live, parce que ce ne sera pas un truc. Je vais faire un live dans la journée, ouvertement pour ça. Peut-être en semaine et tout. Je vais le faire, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je croyais être avec certaines personnes, mais eux n'avaient jamais été là pour moi. Eux n'ont jamais été avec moi. Jamais. Mieux vaut tard que jamais. J'accepte que je suis la folle. Mais je reste la folle du village. Je reste la folle Bams. Parce que vous m'avez montré que quand on t'éteint ici, là, chacun connaît la route qu'il va prendre. Je croyais qu'on pouvait se mélanger, se frotter, machin, truc. Non. Vous m'avez montré que non. Toi là, tu viens d'ailleurs. Et je l'ai toujours ressenti. J'en ai parlé à ma proche qui est avec nous. Je l'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit. Moi je me disais que bon, c'est une histoire que bon, on vient seulement se mélanger, on ne se connaît pas. Mais j'ai toujours sonné cette cloche d'alarme là, même en inbox à d'autres personnes avec lesquelles j'étais très proche dans ce mouvement-ci. Voilà. Donc ça avait le cœur brisé que je vous ai parlé ce matin. Donc excusez ma vie, je vais où je veux. Voilà, je vais où je veux. Je ne vais jamais régner les miens pour vous. Jamais. Je les ai humiliés, mais je ne vais jamais les régner pour vous. Jamais. Je ne venais jamais cela vomi sur ma tribu pour vous. Jamais. Ça veut dire que j'ai perdu toutes mes valeurs. Je ne vais jamais régner ma tribu pour vous. Ma personne, mon âme, mon flesh blood, c'est dans les montagnes du Cameroun, pas ailleurs. Mon père nous a fait 7. Nos nombrils sont enterrés à Douala. Mais où je prends ma bénédiction? C'est à l'ouest, dans nos maisons de crâne. Quand j'ai mes problèmes, quand je me mets à genoux là, quand je prononce le nom de mes ancêtres, ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Et l'ouest là, c'est une partie du Cameroun. Donc honte à vous qui parlez au nom de votre tribu. Honte à vous. Je ne mangerai plus de ce pain là de vous.
J'ai honte. Comme je vous l'ai dit tantôt. Heureusement que je fais cela dans le noir. Je ne pourrai jamais coller mon image. Jamais. Dans un live de discussion de tribu ou de tribalisme. Je ne vais jamais venir mettre ma caméra pour parler à visage découvert. Que oh, tel est tribaliste. Oh, machin. Tu... Jamais. Jamais. Courage à vous, les tribalistes là-dehors. Courage à vous, les King Kong, les étoiles de luxe. Courage à vous. Courage à vous. Je vous donne le tchakap. Mais chacun sait d'où il vient. Et ne prenez personne en grande tête. Personne en grande tête. Je suis Bamileke, de père et de mère. C'est à prendre ou à laisser. C'est ma bamitude. Si le fait que je suis Bamileke vous donne des étincelles. Ok? Que tout soit pareil. Que tout ce qui vient de moi puisse être pareil. Ne faites pas semblant. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur la vérité toute une vie. On ne peut pas refuser la vérité toute une vie. On finit toujours par se dévoiler. Donc, prenez soin de vous. Je ne sacrifierai jamais mon peuple pour vous. Et il n'y a même pas de choix à faire. Je suis Bamileke. Et cela un an avant que je commence à allumer le Mbrakatassi. Je ne pouvais pas savoir qu'entre nous les Camerounais, je pouvais tenir ce genre de propos. Parce que je veux me justifier. Parce que je vais accepter mon appartenance ethnique. Entre nous. Même pas que je suis un Rwandais ou bien un Congolais ou quoi que ce soit. Entre nous les Camerounais. Je ne pouvais pas savoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour pareil pouvait venir là où je vais déposer ma caméra en public à Mondo Vision. Venir accepter faire un live dans lequel je viens cogner ma poitrine pour vous dire que je suis Bamileke et je ne négocierai jamais avec qui que ce soit pour qu'il m'aime. Si vous n'aimez pas ma bénitude là, n'aimez rien en moi. Tout ce qui vient avec. Tout ce qui vient avec. Je me justifie parce que je vais accepter mon appartenance à la caméra en public à mon dos. Ok. Donc voilà, j'ai pas de commentaires sur ce live. Donc c'est sur mon téléphone de Matt là que je vois qu'il y avait quand même les commentaires et tout, qu'il y a les commentaires. Voilà. Donc je n'avais pas, si vous m'avez dit n'importe quoi et que je ne vous ai pas répondu, je n'avais aucun commentaire. Je n'ai pas de commentaires. Donc je vois seulement les gens qui sont en train de regarder le live. Donc, je n'avais aucun commentaire. Aucun. Donc, je vois que Hortensia Douala, Adjami vient de se connecter. Je n'ai aucun commentaire dans mon live. Donc, peut-être que vous avez dit que peut-être que je vous ignore. Mais je ne sais pas. Je n'avais pas de commentaire ce matin. C'est la première fois que ça arrive et tout. Donc, voilà. Je viens d'allumer mon téléphone de maths et tout. C'est là où je vois que peut-être que vous étiez en commentaire et tout. Donc, voilà. Donc, voilà, donc, you know, on peut se chamailler, on peut ne pas être d'accord, mais il faudrait que l'amour prône, l'amour devrait dominer. Voilà, je vois une autre qui écrit que Dorcas a réussi ou quoi que ce soit, ok? Je serai là toujours pour Perpétue Maléba, voilà. Même si ce n'est plus, je ne viendrai pas peut-être en public et tout, parce qu'ils connaissent que j'ai le lynchage que vous m'avez fait avec mon premier petit truc que je lui ai donné. Voilà, je serai là pour Perpétue Maléba. Je l'ai toujours été et je le serai là. Et je le resterai toujours. Voilà, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Si le choix avait été que je sois avec vous,
mais pas avec Madokas ou quoi que ce soit. Il dit qu'il n'y a même pas match. Voilà. La condition n'a jamais été que si tu avais Madokas, tu ne seras pas avec nous. Ou bien si tu avais tes sœurs Bamileke, tu ne seras pas avec nous. La condition, je n'ai jamais signé un pacte avec vous. Parce que c'est comme ça qu'on amène les gens aux femmes là. C'est comme ça qu'on amène les gens aux femmes là sans leur dire. Je n'ai jamais signé un pacte avec vous. Vous qui venez écrire vos pipines, avec vos ongles remplis de panaillés, de pluie dedans à mélanger. Un dancan sans relancer. J'ai signé un pacte avec vous. La condition était que si je suis Madokas, on peut plus se dire bonjour. Quand je suis venu avec vous, je n'étais pas Madokas. Je vous ai dit tantôt que c'est Madokas, quand j'ai déposé ma caméra là pour la première fois, pour apporter mon soutien à Perpétue Maléba. Si Madokas n'était pas d'accord, je ne l'aurais jamais fait ce live-là. C'est parce qu'elle et moi, on était sur la même longueur d'onde. Et je lui ai demandé à l'accepter. Voilà. Vous êtes parti l'humilier dans un live de 4 heures du temps, à la lyncher hier. Alors que tout ce qu'elle a fait pour Perpétue, tout le live qu'elle a fait pour elle, peut-être qu'il y a eu des débordements, certes et tout, mais n'enlevons pas son intention. Ne refusons pas la bonne intention qu'elle avait, son temps, son énergie. On a vu des gens qui sont venus parler sur Facebook, aller se coucher au lit et puis se réveiller le lendemain. Vous croyez que ça arrive seulement aux autres? Ok? La condition n'a jamais été que si c'est Madokas, il ne serait pas de vous. Voilà. On peut être avec tout le monde. Des grandes personnes, des leaders ne choisissent pas leur camp. Le camp là, c'est pour les weak. C'est pour les weak bitch. Voilà. C'est quand on est weak là qu'on passe caché derrière un petit groupe. Mais quand on n'a rien, quand on vit sa vie pleinement, quand on vit sa vie comme il se doit, on n'a pas besoin d'appartenir à un groupe. Ok? Voilà. Quand tu sais que tu n'offenses pas, tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe. Quand tu sais que tu vis ta vie pleinement, tu n'as rien à te reprocher. Tu es avec tout le monde. Voilà. Qu'un don, quand ça va ici. Je vous ai dit, allez vous occuper de vos vies. Allez vous occuper de vos vies. Je peux dire que si mon père est encore vivant aujourd'hui, c'est l'argent qu'il a acheté. C'est l'argent qu'il a sorti du coma. L'argent. Voilà. Si tu ne travailles pas dur, tu ne peux pas ramasser l'argent dans la rue. Allez vous occuper de vos vies. Do the right thing for your life. Dans les déchets comme ça là. Allez travailler. C'est quoi? C'est quoi? On a vous dit que j'ai signé l'église. Alléluia, Jésus revient avec vous. On vous a dit que je suis dans votre secte là. Je vous ai dit que je ne suis pas te casser. Ok? Alléluia, 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 alléluia. C'est vous qui me payez le produit que je fais mon beurre de gorge avec. Vous allez juste payer ma facture de téléphone. Thank God que je n'ai jamais même activé les étoiles ici là. C'est qu'on a dit qu'elle a fini de manger notre argent. Mais mon orgueil propre ne me permet même pas. Il y a des saletés qu'on ne peut même pas me frotter dedans. Allez pleurer loin. Je vous ai dit, respectez mon silence. Voilà. Vous n'avez pas peur de moi, je n'ai pas peur de vous non plus. Même quand vous venez en groupe, je n'ai pas peur de vous. Voilà. Donc toi, la Mégane Florane, qui est partie avec ton faux profil de Bellissima, allez raconter chez Dolem Nyon, allez, c'est Chris qui colle là. Je n'ai pas peur de vous aussi. Je n'ai pas peur de vous. Ce n'est que le respect qui peut nous lier.
Je n'ai pas peur de vous. Allez faire les directs. Allez faire les lives à ma hauteur, avant de revenir me parler. Allez mettre vos... Je ne vais pas entendre qu'ils ont signalé, parce que personne ne signale vos lives. Parce que vous n'avez pas le cardio. Je ne vais pas entendre qu'ils ont signalé, votre live de 2 secondes, ils ont signalé, vous partez là. Parce que vous n'avez pas le cardio. Je ne vais pas entendre ça, parce que personne ne vous signale. Je fais des lives à charge plus que vous. Personne ne me signale. Voilà, je ne vais pas entendre. Ils ont signalé, Mettez les cœurs. Non, non, non. Je parle ici depuis pratiquement une heure de temps. Je ne vous ai pas demandé de mettre le cœur. Mais le live tient toujours debout. Allez faire les lives. Allez parler. Voilà. Soyez des matés. Allez être des containers. Épousez la peau de la containers que je suis. Allez faire des lives. Voilà. Allez faire du tollé. Comme je l'ai toujours fait pour vous. La folle. La folle aujourd'hui, c'est qu'appelle que Sylvie Mangion. Celle-là, elle est folle. Elle est ceci. C'est une folle. J'accepte. Si vous connaissez là où on donne le remède de la folie, ne m'amenez pas là-bas. C'est la folle qui vous parle. Si vous connaissez là où on donne les remèdes de la folie, ne m'amenez pas là-bas. Et retour à l'envoyeur. Vous qui gardez vos enfants chez vous, sous le lit, pour venir prêcher, vomir le mal sur les enfants des autres. Retour à l'envoyeur. C'est la folle là qui était là pour vous hier. Quand vous avez choc. La folle que je suis a été là pour vous hier. Quand vous avez choc. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tout n'est pas malheur. Ok? Donc pour aussi trouver du plaisir derrière la folie. Parce que vous avez trouvé du plaisir dans mes lives. Vous avez pris du plaisir dans mes lives de la folle que je suis. Voilà. Donc si vous étiez en face de moi, j'allais vous craquer même avec ma bouteille d'eau au nom de la folie. C'est-à-dire que la folie nous a apporté un plus à la vie, on a vu. J'étais là pour vous. Ok? Allez pleurer loin. Les matés, les containers comme moi, on ne les ramasse pas dans le coin de la rue. Je suis un cas exceptionnel. Je partirai avec tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je ne laisse même pas les miettes derrière. Même pas les miettes. Je partirai avec tout ce que je suis. Qu'elle soit en bon ou en mal. Qu'elle soit avec ma folie ou avec ma bonté. Qu'elle soit avec n'importe quoi, ma laideur ou la beauté du cœur. Je m'en irai avec tout. Voilà. Faites pareil. Occupez-vous de vos vies. Voilà. Donc, bon dimanche à tous les trois Stambrakata. Ok? Bon dimanche à vous de vous, votre position. Maman Pépin, je t'ai aimé et je continue à t'aimer. Rien ne changera jamais l'amour que j'ai pour toi. Voilà. Dans le reste là, c'est que les pipis du chat. Voilà. Voilà. Ok? On peut être même avec ça, même avec nos parents qui nous mettent au monde. On peut, il peut arriver qu'on soit à couteau tiré. Mais ne franchissons pas la zone rouge. Ok? Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il faut un peu laisser un peu une fenêtre ouverte. Juste qu'on dit que in case, on ne sait jamais. Il faut toujours laisser un petit espace vide, on ne sait jamais. Je fais comme ça, j'ai de le poser cet acte-ci. On ne sait jamais. Ok? Voilà. Arrêtez de dire des énormités sur la vie des gens. Voilà. Vous n'êtes pas de belles personnes. Vous n'êtes pas de belles personnes. Quand je vois tous les conneries que vous essayez d'écrire de moi. Et Orisha ne sera jamais avec vous en ce qui me concerne. Jamais. Jamais. Et si vous voulez la garder, voilà. Éloignez-vous de ce discours tribal. Parce que je connais qui elle est.
si vous voulez la garder, si vous tenez à ces écritures, éloignez-vous de ce discours tribal. Voilà. Vous allez être ce que vous êtes, mais vous n'allez pas obliger des gens à être ce que vous êtes. Jamais vous le feriez. Ça, c'est un conseil d'amis. Voilà. Donc, je vais terminer ce live en disant à Maman Pépé, quand on dit qu'on est leader, quand on dit leader, ça veut dire que le boss stop on you. Ça veut dire que le train ou le bus s'arrête à ton niveau. C'est toi qui as le flag. Voilà. Quand tu perds la pédale, ça veut dire que tu n'es plus boss. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te tiennent au chantage. Fais de l'aménagement dans ta team. Je ne suis pas en train de te donner les ordres, mais je parle en tant qu'une observatrice. Il y a beaucoup là qui font des lives. Ok? De lave, de haine, au nom de ta... Oh, je ne sais pas te casser, je suis sympathisant. Mais en ton nom. Voilà. Tu dois savoir taper la main sur la table et dire... Tu dois creuser le mal de ta team. Parce que je sais que tu as la diagnostiquer. Tu connais ce qui se passe dans ta team. Tu connais. Tu as fait le diagnostic. Voilà. Peut-être qu'il est temps qu'on pense à la blessure avant que la gangrène l'attrape, la plaie. Il est temps qu'on fasse un pansement pour faire un aménagement. Je ne dis pas que c'est pour régner les gens, tu dois régner les gens, mais tu dois donner une nouvelle base, une nouvelle vision à ta team. Tu dois faire, tu dois dire que toi, tu es comme ça, comme ça. Tu dois donner une lignée. Si tu veux, si tu veux, tu n'imposes pas ce conseil. Je donne seulement les conseils. C'est les mains de l'innocent que je suis en haut. C'est juste un conseil. Donc, tu dois donner une nouvelle directive à ta team. Parce qu'on peut tout dire. De Fleur de Lys. Quels qu'en soient nos différends avec elle. Mais Fleur de Lys, c'est elle est ce qu'on appelle le leadership. Fleur de Lys connaît même parfois mettre sa team à dos. Et leur dit des vérités. Que ça n'en déplaise, que ça choque ou que ça plaise. Fleur de Lys connaît le faire. Voilà. Donc si une, deux, trois, quatre personnes parlent de la même chose, il n'y a jamais eu fumée sans feu. Si deux, trois, quatre, cinq, plusieurs personnes, déjà même deux, c'est au pluriel. Ok? Deux, c'est le pluriel déjà. Ça fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a ce noyau-là que tu dois toucher dans ta team. Il y a ce noyau-là. Il est temps que tu penses cette blessure. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire haut et fort. Donc on dit que, on ne veut pas de toi. Tu es tribalé, on ne veut pas de toi. Toi, l'anglaphiste, on ne veut pas de toi. Avec ton votre agent sale, on ne veut pas de toi. Non, ce n'est pas seulement elle. C'est tout ce qui vient avec. Ce n'est pas seulement elle. C'est toute sa personne. C'est tout ce qu'elle est. C'est tout ce mélange-là. On ne mord pas, on souffle. Si vous aviez eu du respect pour moi, vous n'aurez jamais fait ce que vous avez fait à Madoc Assier. Jamais. Quand je l'appelle Maté ou Madoc, c'est parce qu'elle est plus vieille que moi ou quoi que ce soit. C'est par amour. C'est un nom, ce sont les petits noms affectifs. C'est par amour. C'est parce qu'elle me dépasse, non. C'est par amour. Ce sont des petits noms affectifs que je lui ai donnés. C'est par amour. Madoka, Madoka, c'est une très belle personne. Très belle personne. C'est celle-là qui peut être là pour toi à la seconde qui suit. Très belle personne. Ce que vous voyez sur Facebook, là,
C'est que le caractère. Très belle personne. Quand il y a clash, on peut tout dire, on peut refuser. On entre dans la peau qu'on entre et tout. Ok? Mais il est end of day, quand on part au lit, on sait qu'on a menti. On sait qu'on a menti et où on a menti. Voilà. Allez travailler sur votre personne. Cherchez votre soul. Parce qu'il y a beaucoup entre nous ici. Il y a beaucoup parmi nous qui ont perdu leur âme depuis. Ils marchent là dehors comme ça, ils n'ont plus d'âme. Allez chercher, retrouvez votre âme. Voilà. Je ne dis pas que ma Doka était toujours sympa et ma pépé. Hein. Je ne dis pas que ma Doka c'est sainte. Hein. Mais elle au moins, elle est celle qui essaie de rectifier les choses. Hein. Ma Doka se connaît, venir dire pardon quand elle a offensé ou bien quand elle a eu tort. Vous pouvez voir quand même ma reconnaissance et tout ce qu'il y a eu dit. Parce que vous pouvez tout dire que oh, mais moi j'ai aussi beaucoup humilié cette dame-là. Jusqu'à présent, je ne trouve pas la force ou bien le courage de pouvoir parler aux filles comme je le faisais aisément avant. J'ai dit aussi trop de conneries. Ok? Non, maman. Je n'ai pas moi dit que, you know, allez, pardon. You know, je n'ai pas... J'ai pas d'énergie. À vouloir discuter. Je n'ai pas moi dit que c'est moi qui nourris maman pépé. Et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours décrié, même quand je faisais encore les lives et tout. Voilà. Je l'ai toujours dit que vous qui l'appelez Manjata ou quoi que ce soit, c'est pas vous qui la nourrissez. Elle vit sa belle vie. J'ai toujours apprécié. Je l'ai toujours lift up. Ok? Je l'ai toujours lift up. Donc ne viens pas me rappeler que c'est vous qui. Bonjour Bertrand. Bonjour, je ne vois pas les commentaires devant moi ici. Donc, je suis obligé d'arrêter de regarder à côté sur le téléphone de Mathé. Donc, sur ma compte, là, je ne vois pas. Je vois seulement les gens qui regardent le live, mais je ne vois pas les commentaires. Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc, allez pleurer loin. Je n'ai pas dit que c'est qui. Eh, Marvoun. Marvoun, tu sais que ta soeur t'aime, tu sais que te dérange, pardon. Moi, il a dit. Et c'est l'amour, pardon. Tu sais que ta soeur te titille seulement. Il n'y a rien de profond, Marvoun. Il n'y a rien de profond. J'ai toujours dit aux gens ici, là, même quand ce problème-là prenait de l'ampleur, dit que non. Ma reine est bien, tu as payé ses billets d'avion. Allez, elle est partie au Rwanda ici devant nous. Elle est partie à Pretoria. Elle est partie. Donc, pardon, laissez cette humiliation que vous pouvez un billet d'avion, vous croyez que vous allez humilier la reine est bien. Elle a toujours payé ses billets d'avion pour faire le tour du monde. Donc, pardon. Laissez-moi. Marvou, c'est ta soeur, ok? Je ne savais pas, Marvou, je t'ai pas vu, maman. Il a fallu que je me retourne. Il a fallu, parce que quand je laisse voir le téléphone de Marthe à côté, ça fait l'écho dans le live. Donc, je l'ai mise vraiment à côté. C'est vraiment à l'écart de moi. Et ici, là, je vois seulement les gens qui regardent. Mais je n'ai même pas pris la peine de te voir et tout. Je vois seulement les gens, mais zéro commentaire. Hein. Je ne sais pas si j'ai touché peut-être à quelque chose que je ne devrais pas. Zéro commentaire. Il n'y a même pas un commentaire. C'est vrai que les gens, comme là, je vois que Rachara Bio me regarde. Donc, je ne vois pas. Avant ça, il y avait Jan Flo qui est monté. Je ne vois personne. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà. Donc, tu vois, dans Laura la Lionne de Demanzo, là, va faire ta part. Tu fais un poids, 10 mesures. Tu dis que j'ai fait du 2 poids, 2 mesures. Va faire ta part avec un poids, 1 mesure ou bien 1 poids, 100 mesures. Voilà. Voilà, même la plus belle femme du monde ne peut vous donner que ce qu'elle a. Voilà. Donc, allez pleurer, lui. Il ne pourra jamais avoir unanimité sur la terre. Jamais. On ne peut pas être unanime. Tu as compris, non? Voilà. Je ne suis pas dans ton église de réveillons-nous. Oh, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Pardon. Ok? Voilà. Allez vous faire foutre. Je ne sais pas si vous avez fait l'amour ce matin. On ne peut jamais être à l'unanime. Dans ce monde, il n'y aura jamais l'unanimité. C'est comme un close à camp. Voilà, ça fait plaisir aussi de voir aussi les autres. Des gens qu'on n'aurait jamais cru. Voilà, Claude Akan. Bonjour, papa, où c'est maman? Bonjour. Voilà, on peut être ensemble avec tout le monde sans blesser les autres pour faire plaisir aussi aux autres. OK? Voilà. Voilà, donc ce sera ma nouvelle base. Hein. Voilà, ce sera ma nouvelle base.
ce sera ma nouvelle base et tout. Je suis là pour le positif. La négativité, là, pardon. Voilà. Je ne pourrais plus faire objet de destruction pour vous. Parce que vous m'avez utilisé. Vous m'avez montré que vous m'avez utilisé. Voilà. Voilà, Koda Kam, laisse ma maman vous babaler tranquille. C'est ta soeur. Il y a quelques palabres qui ne finissent pas dans Koda Kam. Laisse ta soeur tranquille. Laisse maman vous tranquille. Il y a quelques palabres qui ne finissent pas. Bonjour Loumès. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman vous, maman. Hein? Maman vous, maman. Elle dit, maman vous. Maman, elle dit que le Canada vaut quoi sur le Gabon, maman? Ta vie glosse là-bas, maman vous. Hein? Ton teigne, maman, la beauté de ça. La beauté de ça. Maman, ta soeur et toi. Maman, vous avez le même caractère, la douceur et tout. La douceur et tout. Maman, vous êtes trop belle au Canada. J'ai aimé ton petit boubou blodé. Ton boubou bleu que tu as porté, maman vous. Hé, maman. Il dit que c'était le manque, maman vous. C'était qu'il y avait le thème de. Maman, ta soeur était aussi avec son bleu, avec toute la douceur qui va avec. Maman, vous, j'aime votre relation, hein. Avec la gluta, vous avez le même, vous avez la même appartenance, la classe, you know. Vous n'êtes pas dans le bois comme nous, vous êtes dans la classe avec l'attitude qui va avec le comportement. Maman, le titan de ça, hey, maman, vous, j'aimerais un peu vous voir là-bas à l'hôtel Radisson, dans le titan. Comment vous arrêtez votre tasse de thé au titre, maman? Maman, vous ne pouvez pas réclamer la bourgeoisie, quitte un peu. Maman, elle dit que maman, vous, j'ai confirmé que tu connais les bonnes choses, maman, vous. Quand j'ai vu l'éventail japonais chez toi, quand j'ai vu l'éventail japonais dans ton salon, ben c'est ce que nous on voit dans les bureaux ici, là, de Nancy Pelosi. Je travaille dans le luxe de luxe. Quand j'ai vu l'éventail japonais dans ton mur, maman, vous, j'ai compris que tu n'es pas avec nous. Que tu es avec nous seulement pour nous faire plaisir. Maman, vous, j'ai compris que nous ne sommes pas de la même classe. Le jour que j'ai vu l'éventail japonais suspendu dans ton mur, maman, vous, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle l'éventail japonais. Avec la valeur qui va avec. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Le jour que maman vous, et que je me suis soumise à ta bourgeoisie, à la belle personne, la qualité, le luxury love que tu es. Maman, le jour que j'ai vu l'éventail japonais, j'ai regardé la vidéo là au moins 10 fois. J'ai dit que mais, ça ce n'est pas un bout d'éventail japonais que je vois chez maman vous suspendu. J'ai fait le rewind. Le rewind. J'ai confirmé que c'était un éventail japonais. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'éventail japonais. Avec le prix qui va avec. Vous ne connaissez pas. Un éventail japonais. Vous le connaissez. Et pour moi, vous êtes large. Hein, et avec le dessin sur ça. C'est trop cher. Le Gabon te va à merveille, man, vous. C'est comme si tu étais dans ton Canada. Le Gabon là. C'est comme si tu étais dans ton luxury, dans ton mansion du Canada. Maman, maman, vous. Maman, la douceur de ça avec ta soeur. Maman, vous marchez seulement comme si c'était le dessin. Maman, comme si on avait dessiné vos pas. Comme si on avait mis les traits comme ça au sol. On a dit que chacun doit déposer son pied ici, là, aux endroits précis. Check, 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 check. Maman, il dit que... Mais le staff du Radisson va dire que maman, nous on voit souvent, mais le geste c'est encore son doux. Même les gens du Radisson là vont dire que nous cherchons souvent. Mais cette fois-ci, c'est le Wata na Wata. Maman, vous donc, les connaisseurs connaissent, tu comprends, non, maman, vous. Les connaisseurs connaissent. Je sais que toi, tu n'es pas un billet d'avion prêt. On ne peut pas te tenir au chantage pour un billet d'avion. Tu nous as fait découvrir le Rwanda ici de tes frères. Tu nous as fait découvrir Pretoria. Vu qu'Ada allait nous montrer la prison où Nelson Mandela était à tes frères. Il y a encore quoi que tu peux nous prouver? Non, moi, je l'ai confirmé ta Starmania depuis ma vie.
Quand j'avais alors vu l'éventail japonais, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle l'éventail japonais. Beaucoup ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'éventail japonais. Voilà, il faut être de la classe des classes. Voilà, c'est pour les richissimes. On ne va même pas. Il dit que vous connaissez combien d'années on prend pour créer un éventail japonais. C'est pas l'éventail qu'on chasse les mouches au marché là sur la tête déjà avec elle. Voilà. C'est que vu que l'éventail, c'est parce qu'on se ventile, qu'on est assis sur la chaleur. Je parle des éventails japonais de la décoration. Vous ne connaissez pas. C'est large comme ça là. Avec le dessin qui va avec. Voilà. C'est pour les richissimes. On ne se lève pas un matin. Et il n'y a pas deux modèles. Chaque éventail japonais est à son modèle unique. On ne fabrique jamais deux éventails japonais, même chose. Jamais. C'est toujours en pièce unique. Voilà. L'éventail japonais se fabrique toujours en pièce unique. Donc ne partez pas là-bas. Quand vous partez chercher le Jacques Marc, la reine est blanche chez elle. C'est pièce unique. Il n'y aura plus le genre là. C'est en pièce unique qu'on fabrique les éventails japonais. Voilà. Donc ce que ma envoie chez elle là-bas au Canada, c'est en exclusivité. Vous n'allez jamais voir chez quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. C'est trop cher. Les éventails japonais sont très chers. C'est des pièces uniques. Pièces uniques. Il n'y a pas le même modèle d'eux en éventail japonais. Voilà. Voilà. Donc j'en ai parlé à Mavou parfois dans ces lives et tout. Il dit que Mavou met la caméra sur mon éventail japonais. Parce que je connais la valeur de ça. Vous ne connaissez pas. Voilà. Donc. Il dit, Claude, attends, laisse-moi tranquille. Il dit que laisse-moi vous babaler tranquille. Quelle est ce palabre qui ne finit pas? Elle et sa soeur se titillent. Voilà. Elle et sa soeur là se titillent. Laisse-moi vous babaler tranquille. Toi, Claude, Akam. Voilà. Il faut laisser moi vous tranquille. Elle et sa soeur là-bas font leurs petites choses et tout. Mais personne ne peut traverser sur le sang de l'autre. Il faut laisser ça. De rien, moi vous. J'étais vu en live ces jours-ci. La dernière fois, il voulait même commenter, mais ça ne me laissait pas. Bon, je n'avais pas aussi de connexion là où j'étais et tout. Donc, Mavou, je suis de tout cœur avec toi. Ton Gabon était sucré. Tu as vécu ta bourgeoisie au Gabon. Tu as laissé tes marques au Gabon et tout. Maman, la classe de ça. Mavou, il faut seulement voir le jour là que tu mangeais à table chez les gens là-bas. Mavou, Mavou. Non, Mavou, babale. Ouais. Maman, Mavou babale, il fallait voir Mavou. Comment tu tiens ce mal au couteau? Beaucoup, beaucoup comme nous là. Nous allons toujours manger qu'à la cuisine. Il fallait voir comment Mavou tient le couteau, tient la fourchette. Et Guto aussi là-bas. Oh, maman, les tout. Bah, il dit qu'elle voulait. Vous allez laisser les marques là-bas au Gabon. Maman, Mavou, tu as bien fait de dire que ton Gabon ne souffre derrière, maman. Tu as mangé ton Gabon. Tu avais bien fait de dire que ton Gabon ne souffre de rien. Voilà. Tu as mangé ton Gabon, maman. Tu as mangé ton Gabon. Ok? Tu as mangé ton Gabon. Donc, Claude Akam, il faut laisser ma vous tranquille. Quelle est ce palabre qui ne finit pas? Il faut la laisser tranquille. C'est ta soeur, il faut la laisser tranquille. Donc, voilà. Donc, Mavou. Bon séjour à toi. Tout s'est bien passé. On a vu de très belles images et tout. Voilà, du courage. Parce que c'est que le Tchad est à l'horizon. Voilà. Le Tchad est à l'horizon. Voilà. Et c'est que la prochaine destination sera au Tchad. Ou bien il y aura d'autres peut-être destinations avant le Tchad et tout. Mais c'est que le Tchad est à l'horizon. Donc, laissez-moi vous tranquille. Mavou est parti. Mavou, tu as bien croqué ton gambon, maman. Ton Gabon, là, tu avais raison de dire que ton Gabon ne souffre de rien. Tu as croqué ton Gabon. Vous étiez toute belle, hein. Vous étiez toute belle, avec toute la classe qui va avec. Maman, c'est ça. Parce que quand elle voit les Camerounais, les nia, 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 maman, le Cameroun
là, le continent, les femmes camerounaises, là, nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous ne sommes pas n'importe quoi dans le continent africain. Là. Les hommes meurent là pour toucher nos peaux. Les hommes meurent là pour sentir nos parfums. Avec toute la classe qui va avec. La femme camerounaise. La femme camerounaise. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà. Parce que quand j'ai travaillé au Pentagone, je rencontrais beaucoup d'expatriés. Beaucoup d'expatriés. Ils venaient laver les organes. Les gars qui venaient, pourquoi les former, pour qu'ils soient les généraux dans leur pays en Afrique. J'ai rencontré beaucoup. Quand ils savent que tu es camerounais, quand ils baillent sur toi. Ils baillent sur toi. Voilà. Ils nous adorent. Ils adorent les femmes camerounaises. On a un truc là. On a un truc là qui les tue. Donc quand je vois comme ça, comment on vient se mélanger dans le bracata. On s'humilie, on se déchire aux yeux des autres et tout. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Hein. Moi, ça ne me fait pas plaisir parce que je connais la valeur, d'autres valeurs. Moi, je n'ai jamais pris plaisir à faire le genre de live que je viens de faire ce matin. Jamais. Jamais. Voilà. Voilà. Voilà, vous, on ne prend jamais la place de quelqu'un. On ne prend jamais la place de quelqu'un. Si on utilise le langage qu'on n'arrache pas le mari d'une femme et tout, ça veut dire qu'on ne prend jamais la place de quelqu'un dans la vraie vie. OK? Voilà. On ne prend jamais. C'est comme ça que la brute est partie avec toi. Peut-être prochainement, elle peut partir encore avec deux, trois autres personnes. Peut-être que la prochaine fois, tu peux, peut-être avec ton programme de travail ou tes programmes de famille et tout, peut-être que ton programme ne te permettra pas. Peut-être qu'elle peut partir avec d'autres personnes. Parce que cette fois-ci, tu as payé quand même ton billet d'avion. Vous savez que toi aussi, tu partais pour, tu savais pourquoi tu partais. Ok? C'est pour ça qu'elle dit encore l'autre jour dans mes lives précédents que voyager dans le monde, c'est un prestige. Surtout quand ça a tout frais compris d'une autre personne et tout. Quand les billets d'avion sont offerts gratuitement, les logements, parce que voyager est cher. C'est coûteux les voyages. Hein. Mais quand c'est gratuit, c'est un luxury place. C'est un luxury de voyager dans le monde entier. C'est un luxury. Surtout quand ça a d'autres frais. Aux frais de d'autres personnes compris. Non. C'est un bonus. Ok, donc moi je crois toujours à la paix, à l'apaisement. Moi je garde toujours espoir. Donc il n'y a pas eu mort d'homme entre la Gluta et Maman Pépé. Ok, et j'ai respecté le fait que Maman Pépé ne soit jamais venue déposer sa caméra pour vouloir entrer dans les détails ou quoi que ce soit. J'ai respecté ce fait là. Donc elles peuvent s'arranger. Et il y a aussi beaucoup d'autres horizons. Il y aura beaucoup d'autres conférences. Si ça n'a pas été celle-ci, ça pourrait être la prochaine. Finger cross. Ok. Donc, gardons toujours espoir à la vie. Tant que tu n'as pas perdu ton petit souffle, là, il faut toujours avoir espoir. Toujours ne perds jamais espoir. Jamais. Voilà. Jamais. Voilà. Et la vie, c'est la chance. Se réveiller tous les jours et venir crier comme nous, là, c'est un plus. D'autres n'ont pas eu ce plaisir-là. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Ok? Voilà. Donc, soyons souriants à la vie. Donc, bisous à toi, Manvoun. Profite encore de ton gabon. Tu as vraiment mangé ton gabon. Tu avais raison de dire que ton gabon ne souffre de rien. Je t'aime, ma soeur chérie. Prends soin de toi, Manvoun. Parce que je vais couper ce live-ci. Je vais m'apprêter pour vaquer à mes occupations. Donc, voilà. Je suis hopeful. À jamais. Ok? Donc, J'ai bien parlé de moi ce matin. Voilà. Je ne parle pas souvent trop de moi. Donc, j'ai voulu vous tirer la sonnette d'alarme que, pour vous dire que it's never always about you. Même malgré mes problèmes, comme je l'ai dit tantôt, mon père a fait un coma diabétique de 8 jours. Il en est sorti vendredi matin dernier. Il est encore à l'hôpital, comme je vous parle là. Mon père est encore à l'hôpital. Ça n'a pas empêché que je me mette à côté. Bisous, maman. Bisous, maman, vous. Love you. Bisous, bisous. Voilà. Ça n'a pas empêché que je mette mes problèmes. Parfois, quand je parlais ici, là, derrière la caméra, j'avais les yeux enflés. Parce que je ne dormais pas des nuits. Je venais ici avec les yeux enflés.
Je venais ici, je crie, je crie, je crie, parce que je croyais. Et j'ai toujours cru. La perpétue m'allait bas. J'ai mis mes problèmes à côté. Je les ai emballés dans le plastique, dans le sachet. J'ai mis à côté plusieurs fois quand mon père était dans le coma pour venir parler de Perpétue Maléba, pour venir défendre la personne qu'elle est. Pour venir dire que non, si vous pensez comme ça d'elle, c'est faux. Si vous l'avez dit comme ça, c'est faux. Vous vous prenez pour qui? Pour lui dire telle chose, telle chose, telle chose. Ok? Alors que mon père était à l'hôpital. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait pareil pour elle, je n'ai aucune leçon à prendre de vous. Aucune! Aucune. Donc, fichez-moi la paix. Et toi, Dolène Niendo, tu es dans ton élément. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise dans. C'est ton pain quotidien, le tribalisme. Je ne t'ai jamais manqué du respect. J'espère que tu ne vas plus jamais me prononcer dans l'un de tes lives. Plus jamais. Tu avais fait un live ici là de réconciliation ici dernièrement. Parmi lequel tu as perdu au moins 500 abonnés le jour là. Parce que les gens sont allés à l'encontre de ce que tu avais dit ce jour. Tu as perdu au moins 500 abonnés avec les blocages qui vont avec. Merci, Mavo. Be safe. Be safe, Mavo. Et que le Seigneur puisse te protéger pour que tu rentres retrouver ta belle famille au Canada. Be safe, my love. Be safe. Ok? Donc, fichez la peau aux gens. J'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire. Rappelez-moi en commentaire ce que je disais. Voilà. J'ai perdu. Je suis rentré pour qu'il se m'envoie. J'ai perdu le fil de ma parole et tout. Allô? Bonjour. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vous ai dit que je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça ne prend pas les demandes. Rien, rien, rien. Je ne vois pas. Tu veux parler à WhatsApp? Tu veux parler à speaker? Ok, laisse alors que je te mette en speaker. Mais je ne vois pas de demandes. Hein. Je t'ai dit que là, même en commentaire, je ne vois pas les commentaires. Je vois seulement ceux qui se connectent. Mais je ne vois pas de demande. Vas-y, chérie, parle. Happy Sunday. En fait, j'ai pris le live, mais je rentre dans le live depuis un moment. Mais bon, moi, je n'étais pas dans le live au tout début. Hein. Mmh. Et je voulais savoir si tu t'es... Allez, je voulais surtout dire de ne pas te laisser embarquer dans toute cette histoire, parce que tu sais très bien que toi, moi, enfin, que toi, tu ne te retrouves pas dans un clan. Parce que j'ai tout compris que tu étais quelqu'un de très cosmopolite aussi comme moi, mmh. ou de très universel. Donc, et puis j'ai entendu que tu étais ton soutien, a compris ça, ça c'est très bien. Et ceci étant dit, c'est mieux de peut-être laisser passer un jour. Voilà, et en ce moment on verra plus clair. Parce que le simple fait que compresseur ou encore le fait que compresseur soit sorti pour dire qu'on te laisse tranquille, déjà ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tout à fait. Des choses qu'on voit. Oui, des choses qu'on a vu très peu faire. Parce qu'elle est au cœur de la guerre avec la Brita, elle n'a pas dit quoi que ce soit. Elle n'a pas sorti, elle n'est pas sortie de nous tendre pour qu'on lâche de l'Est de la Brita. Donc, il faut un peu peser. Pourquoi elle est sortie dire à sa troupe de te laisser tranquille? C'est parce que d'un côté, elle t'apprécie. Tout à fait, je le sais. Ça, je l'ai dit et je l'ai reconnu. Donc, bon, je réitère que Dorca, ce qu'elle a fait, c'était dans une bonne intention. Voilà. Dorca n'a jamais eu l'intention de faire du mal à compresseur. Tout à fait. Pour quelle raison? Tout à fait. C'était même par rapport à moi. Par rapport à moi, c'est par rapport à moi. Elle m'a dit ça, elle me dit que ouais, Maté, je me sens pas bien. Je voulais faire, quand elle se sentait pas bien, je voulais faire les larmes pour encourager les gens à aller cotiser dans la caillou de ma pépé et tout. Mais elle ne se sentait pas bien. Mais à peine elle s'est sentie mieux, elle est venue déposer sa caméra. Sans aucune intention. Je dis que c'est moi qui ai vu. C'est moi qui ai vu la pub passer dans son live. Je l'ai écrit sur WhatsApp quand elle était en live.
C'est là où elle a posé, elle a lu mon message, elle a posé la question aux auditeurs pour dire que c'est vrai que la publicité passe dans mon là. Les gens lui ont dit, elle ne connaissait même pas que sa publicité était revenue. Ah, mais it's not always about money. It's not always about money. Dis donc. Oui, l'intention était bonne parce que l'idée qu'on pense qu'elle a fait ça délibérément pour nuire à la cagnotte de compression, ça, je ne peux pas admettre ça parce qu'on a vécu ça de bout en bout. Donc, ça, en outre, quand tu lances des lives, fleuve comme Dorcas, beaucoup de personnes, c'est pas facile de gérer un live avec 600 personnes. Et moi-même, c'est pas facile de contrôler la parole, ce qui sort de la bouche des intervenants. Et moi-même, je lui ai dit hier, je lui ai parlé à nos filles, je lui ai dit que maman, chaque fois quand tu fais un live, parce qu'il y a des moments où on te sent perdu en live. Quand tu sais que tu es fatigué, parce que quand ton regard commence à être de partout et tout, tu n'es plus attentif, c'est là où tu perds le contrôle dans ton live. Il dit que quand tu fais un live, ne fais plus les lives fleuves. Si tu fais un live, tu sens que tu ne peux plus maîtriser le live, raccroche le live. Parce que c'est toujours dans ce moment qu'il y a toujours les débordements, que tu ne peux plus maîtriser ton live. Parce qu'on sent aussi la fatigue. Tu peux venir t'asseoir, parler 4 heures de temps comme ça, successives, sans être fatigué. Tu comprends, non? Je lui ai dit que non, quand tu es fatigué, dépose le live. Et il faut toujours être avec le eye contact. C'est comme ça qu'avec le eye contact, il faut regarder dans ta caméra. C'est comme ça que tu vas maîtriser ton live. Parce que moi, je n'ai jamais fait les trucs à débordement. Et si moi, je coupe les trucs sur le nez des gens et tout, et ça va aller ce que ça va et tout. Je lui ai dit que non, ne fais plus les live fleuves, quoi. Parce que c'est pas donné de contrôler tout le monde. Et quand tu prends les gens en live, tu ne connais pas l'intention de ces gens-là. Tu ne connais jamais. Et même, si tu aimes, les gens disent quoi que ce soit, c'est sur sa page. Donc, il y a aussi le fait qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut sur sa page. C'est ça aussi, bon, parce qu'elle a une bonne. Moi, je comprends qu'elle soit débordée. Mais aussi, l'idée, c'est qu'on ne doit pas lui imposer ce qu'elle doit faire sur sa page. J'ai l'impression que dès que tu commences à soutenir quelqu'un ou encore à parler bien d'une personne sur la toile, d'un leader ou d'une personne connue, on a l'impression que, du coup, on pensant que tu es de la team, non, tu ne peux pas être d'une team, on ne peut pas être tous partie d'une team. On ne peut pas tous faire partie d'une team, autant pour moi. Donc c'est un peu ça. Leur casse n'est pas dépassée. Nous, souvent, quand elle essaie quelqu'un de monter, c'est un super compresseur. Ça fait quoi, puisque son anglais était en mer avant. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fait tout ce tollé hier. Et je crois que Dorcas n'a pas eu une mauvaise intention. Pas du tout. C'est ça que je. Voilà, donc il faut mettre l'accent sur le fait que Dorcas n'a jamais eu de mauvaises intentions. Elle est spontanée, comme j'ai dit. C'est l'américaine. C'est des lives, ce n'est pas des émissions enregistrées. Les liens, les directs, on peut faire réussir un direct à 100%. Il y a tout ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà. Dans le 22, quand on regarde à la télé, il y a toujours des petits aléas comme ça du direct, parfois. Donc il faut qu'on pense à ça. Et ça allait dans tous les sens. On parle du tribalisme, on parle de ceci, on parle. Bon, Thérèse, non. Tu as vu tous les commentaires qu'ils écrivent sur moi aujourd'hui. Je suis folle, je suis ceci, je suis. C'est pas nouveau. Ils ont toujours regardé ça, là, ça ne fait rien. C'est toujours la même idée qu'on vénérait ou encore qu'on appréciait. Voilà, donc dès lors que tu ne parles plus dans le sens, on dit tout ce qu'on veut. Mais de toute façon, on reste focus. Ton futur compression ne souffre de rien. Of course. Voilà, ça ne souffre de rien. Les compressions, c'est pas parce qu'elle a encore plus de droits sur elle que nous autres qui ne sommes pas, quoi. C'est une Camerounaise et on peut aussi parler de ces choses et en étant autant concerné quand même, quoi. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pourtant, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, les gens qui viennent parler de compresseurs en disant que oui, c'est une quoi comme nous, avec beaucoup de certitude et beaucoup d'assurance, non. Mmh. Toi, tu peux avoir la même assurance, parlons d'elle. Et tout ce que tu as dit ce matin, bravo pour tout ce que tu as dit, ça ne change en rien. Même si on dit que oui, garde ton argent, j'ai entendu des gens dire qu'ils devraient cotiser ton argent pour te remettre. Donc, tu as vu jusqu'à où ça part, l'horreur. Voilà, et même, bon, supposons qu'on va cotiser pour te remettre, ça va faire quoi? Mais l'idée, c'est que tu as déjà donné, c'est ça qu'on retiendra. Voilà, bon, hein. Mais là, calme-toi, et comme j'ai dit, ne rentre pas dans cette histoire du tribalisme, parce que j'ai entendu le Lofoja dire que tu es sa sœur, des choses comme ça. Bon, les appels, bon, tout ça pour, parce que le compresseur est sorti, dit qu'on te laisse. Tout ça parce que le compresseur est sorti, parler de toi. Parce que le compresseur le fait rarement. Donc ça démontre la place que tu as pour elle, en fait. Tout à fait. C'est ma sœur, elle est ma sœur. Mais avec Gluta, elle n'est pas sortie. Mais avec toi, elle a dit laissez qu'on te laisse, laissez-la comme ça, c'est ma tenace. Elle est avec moi. Et c'est très beau. Alors, si on n'arrête pas, elle a fait l'essentiel. Donc, on ne va pas lui reprocher qu'elle a laissé compter linge. Parce qu'on a entendu ce qu'elle a dit. Mais les autres n'ont pas respecté. Exactement.
Voilà, merci infiniment d'avoir pris. Donc, je vais te laisser continuer ton live et merci infiniment de m'avoir écouté. Oh, thank you. Tu travailles aujourd'hui? Non, je ne travaille pas, je suis de repos aujourd'hui. Nice, nice. De toutes les façons, je te prendrai en journée. Tu sais comment me tenir toujours en haleine all day. Donc, je sais que tu vas faire au moins deux ou trois lives encore. You know? Ouais, ouais. Donc, merci pour tout aussi. Bonne journée, bisous à toi. Bisous, bye bye. Ouais, maître. Le gars a une voix, là, ça. Oui. Je ne peux prendre personne. Je ne vois pas vos demandes, chérie. Mon écran est cloque. Je ne vois pas vos demandes. Je ne vois même pas les commentaires. Tout ce que je vois que Bianca Audrey vient de se connecter, là. Ce n'est que les gens qui regardent le live que je vois leur nom. Je ne vois pas de commentaires. Benjamin Barano, je vous vois. Mais je ne vois pas de commentaires ni de demandes pour entrer dans le live. Je ne vois rien. Je ne vois pas. Je ne vois rien. Absolument pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être j'ai dû toucher peut-être à quelque chose. Mais je ne pense pas. Je ne suis pas le genre à manipuler le téléphone comme ça et tout. Donc, voilà quoi. Donc, je ne vois personne. Je ne vois personne. Je ne vois pas vos demandes. Voilà. Je ne vois pas vos demandes. Donc, peut-être ça aurait été... peut-être un si beau live si j'avais peut-être laissé les deux ou trois personnes monter. Mais malheureusement, je ne vois pas vos demandes. Ça n'apparaît pas sur mon écran, ni vos commentaires. Donc, je vous lis là que sur le téléphone de Mathé. Parce que j'ai partagé le live dessus. Donc, voilà. OK? Donc, on va devoir se séparer. Il est 6h43 ici à Maryland du matin. Voilà. Donc... on est ensemble, ok? Plus de... Je ne voudrais plus que vous me tirez. Je ne veux plus être tiraillé. Que wow, wow, wow. Ceci est dit que... Oui. Tata Lolo, Tata Lolo. Vous dites que non. Tu n'as pas dit chez tes soeurs. Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas cet esprit d'appartenance là où je suis. Je suis avec tout le monde. Voilà. Je suis avec tout le monde. Parce que vous m'avez lynché ici là pour peu. Vous étiez dans le divin de la grosse patapouf hier. Voilà. Je parlais d'elle tantôt. J'ai perdu le fil. Voilà, j'ai retrouvé le fil de mes idées maintenant parce que je parlais d'elle. Et quand j'ai lu le message de Manvou, j'ai perdu le fil de contrôle. Donc moi, je voulais te dire, Ndolé, je ne voulais plus que tu me prononces, qu'elle soit en bien ou en mal. Parce que toi, tu fais partie de ceux-là qui m'ont combattu dans votre team-là. Tu dis que tu n'es pas décassé. Tu étais cassé. Voilà, tu étais cassé. Tu fais partie de ceux-là qui ne m'ont jamais accepté. Mais tu es venu cela ronfler dans mes panels. Je t'ai donné mon espace. Tu es venu ici là, parler. Et des moments, tu dormais. Tu faisais des 4 heures dans mes veilles ici là, la nuit. On passait des nuits blanches ici ensemble. Tu fais partie de ceux-là qui ne m'ont jamais accepté dans votre groupe de moi. Voilà. Mais j'ai toujours pris ça sur moi. Je n'ai jamais fait de ça un problème. Parce que je connais mes valeurs. Je connais qui je suis. Je ne suis pas une dépendante affective. Je ne mendie pas l'amour. Voilà. Il n'y a jamais, je ne suis jamais emptiness. Vous voulez dire que j'ai 3 frères et 3 sœurs qui me suivent derrière moi. Donc, quand j'appelle mes 2, 3 amis, ils ne prennent pas. J'appelle mon frère, il va prendre. J'appelle l'une de mes sœurs, elle va prendre. Donc, ce n'est jamais... C'est-à-dire que je n'entre plus jamais dans le mutisme autour de moi. J'ai l'amour pleinement là où il faut. Voilà. J'ai l'amour pleinement là où il faut. Donc, je ne voudrais plus jamais. Ne mets pas ta caméra comme tu vas mettre là. Ne me prononce pas. Je n'ai jamais fait un live pour te prononcer. Voilà. Voilà. Donc, ramène ta tangente là, Léon. Ne me prononce pas. Parce que je n'ai pas envie de mettre ta photo en fond d'écran pour faire un live dessus. Sur toi. Toi, avec tes poids là. Restez là où vous êtes. Tes pipis du choc, les gens montent dans ton live, tu leur demandes, tu es Bamileke. Restez là-bas avec ça. Quand tu dormais sur mes panels, avec toute ta bande là, quand on sort les hausses marines, vous avez ces narines remplies de pus dedans là. Quand vous dormiez sur mes panels, ok, j'étais la fille Bamileke en ce moment. Je n'avais jamais dit que je suis une fille quoi. Tout le monde m'a toujours connu ça comme une fille graphiste. Ce n'est pas quand ça vous arrange. Dans ton débat que tu as ouvert tout à l'heure, tes cuisses qui collent là,
ne me prononce même pas là-dedans. Je ne veux même plus que ce soit les partisans de ton live. Voilà. Et de la grandeur comme les Lisa Dior. Je ne veux plus jamais que tu prononces mon nom. Que ce soit en bien ou en mal. Que ce soit un intervenant de ton live. Parce que je n'ai jamais fait un live en charge en ta personne. Ta bouche pleine de salive là, va déposer ça chez quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin que ta photo que tu connais là monte dans mon fond d'écran. Voilà. Parce que je respecte la relation que toi et moi on a eu hier. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour toi. Même tout en sachant que tu es fausse. Parce que j'ai de la compassion pour toi, pour la personne, pour la mère que tu es. Voilà. Toi, Ndolé Nyondo, tu fais partie de ceux qui m'ont combattu dans la TKC. Tu es TKC. Ne viens pas dire que tu es sympathisant. Le jour que tu es venu mettre ta caméra, la paix, ayam, et ma pépé monte sans savoir, partage, ne partage pas que dans les, dans ta page des enfants de ma pépé, partage que dans pépé, tu m'allais, j'ai quelque chose de Kevin dit, maman, c'est comme ça qu'on amène quelqu'un aux femmes là, la pauvre aussi a partagé sans savoir que tu venais la lyncher. Quand tu venais dire que la paix, là, tu as demandé, tu t'es concerté avec qui? Qu'est-ce que tu as subi le jour là? En un seul, tu as perdu plus de 300 abonnés avec les blocages qui allaient avec. Ok? Non, ne viens pas faire ton coming back sur moi. Voilà. Je ne suis jamais venu sur Facebook pour toi. Je ne t'ai jamais dit que je venais sur Facebook pour toi. Donc, tes pipis du chat que tu as venu mettre avec tes fesses collées là-dedans, ne prononce pas mon nom. Même le Marie-Thérèse que tu dis tous les jours là, même quand je sais que ce n'est pas moi, je ne veux pas entendre ça de ta bouche. Enfin, tu as du mal à prononcer mon nom. Je n'ai jamais été Marie-Thérèse. Je suis Thérèse. Donc ne prononce pas mon nom. Et je suis désormais avec mes frères et sœurs Bamileke. J'ai toujours été. Je ne ferai plus jamais du sale. En salissant leur image pour vous faire plaisir. Jamais! Jamais! It's over. Le côté sadique là, le sang que vous aimiez sucer quand je vous donnais là, en les salissant, les dénigrant pour vous faire plaisir là, c'est fini. C'est fini. Donc quand tu es venu déposer tes pipis du chat là, avec tes fesses qui collent là. Ne me prononce pas. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur toi. Tu es un tribaliste pro-max. Tu es dans ton élément. Ne viens pas avec tes ronflements là sur moi. Hein. Ça, je t'avertis. Je ne sais pas si tu peux me supporter, Madokas. Je ne sais pas. Tu vas bouffer un djangui géant à Madokas. C'est pour toi, elle va pas te laisser. Tu vas bouffer un djangui géant à elle. Elle va danser le kunga style sur ton tas de graisse là. Voilà. Au lieu de parler de moi, bah, tu as aussi un autre partenaire aux États-Unis, le gros machin qui essaie ses cuisses qui frottent là. Allez à la gym. Allez à la gym. Allez monter sur le treadmill. Voilà. Donc ton live là, ne tente pas qu'à mon nom, tu vas faire un live. On va monter me lyncher avec Madokas comme ce que l'autre a fait là-bas avec son cou comme le bâton pour cueillir les prunes. Celle-là, je la méprise tellement. Os de Kribi, je la méprise parce que c'est une fille sans personnalité. Elle ne connaît pas qui elle est. Je la méprise tellement. Parce que le chat-là qui était devant moi, j'allais sentir mes orteils dans ses oreilles. Parce que c'est une vendeuse de rêves. C'est une vendeuse d'illusions. Elle n'est pas tout ce qu'elle me fait croire qu'elle est. Voilà. C'est une personne, elle a les troubles de personnalité. Elle a les troubles de personnalité. Elle n'a jamais assumé qui elle a été. On ne peut pas vendre le piment et venir faire croire qu'on est une religieuse le lendemain. Ce serait trop facile. Ce serait très facile. Moi, j'ai fait le lycée technique de Kumasi. J'ai fait les secondaires là-bas.
Voilà. Donc, je me rappelle que je la voyais là-bas à Bali. Je la voyais là-bas à Bali. À la sonnelle avec la petite jupe. Je ne suis jamais venu parler de ça ici. Je la voyais à l'époque là-bas, au carrefour pour aller là-bas. À, on appelait ça que quoi là? L'école française, là, on appelait ça que quoi? L'école française qui était derrière le lycée Joss là. Pourvu que derrière le lycée technique de Kumasi, là, on appelait le petit, l'école française, on appelait ça que quoi là? Hein, l'école française qui était derrière le lycée technique de Kumasi, après la Sonnelle et la Sinec là-bas en bas là. On appelait ça que l'école française, là, on appelait ça que quoi là? Of course, Léa Campbell. L'école française là, Dominique Savio, voilà. Je te voyais quand je partais au lycée technique, avec ma jupe kaki et mon haut blanc. Je te voyais à Dominique Savio là-bas, dans le quartier des Blancs là-bas, avec les petits jupes aux fesses. Je te reconnais. J'étais reconnu quand j'étais vu dans le Facebook camerounais. Tu vendais le piment, tu marchais au crotoir là-bas, à Dominique Savio. Je te voyais. Tu comme ça, tout rassis, avec tes veines comme ça qu'on comptait sur ta peau. Donc, je ne veux même pas ouvrir ton dossier. Donc, quand on dit que tu as double pépin, j'étais avec ma jupe kaki. Hein. J'étais avec ma jupe kaki. On prenait le raccourci comme ça pour aller sortir au marché des fleurs, là-bas derrière. Tu étais là-bas. Tu avais ton comptoir de piment avec ta petite jupe aux fesses. Avec tes petits. Tu étais sous un manguier là-bas. Tu vendais ton piment. J'ai quand j'étais avec ma jupe kaki, avec mon haut blanc du lycée technique. Tu étais sous l'arbre là-bas. Toi, os de crédit. Je te méprise jusqu'à. Parce que tu as eu une vie très difficile. Tous les pénis de ça. Tu as grossi comment? Avec tous les encaissements. Avec tous les encaissements que tu as reçus dans ta vie. Tu as grossi comment? Tu vas grossir comment? Voilà. Tu vas grossir comment? Voilà. Donc j'ai tellement du mépris pour toi. Parce que je peux compter les hommes que j'ai gnassé de ma vie. Hein. De mon vieux âge, je peux compter. Hein. Je n'ai pas été une écarteuse internationale. Hein. Voilà. Toi, tu as porté ma jupe kaki pour aller dans mon lycée technique. Tu vendais dans le piment là-bas à Dominique Savio. Je te voyais, tu es reconnue, toute petite comme ça là. Je te voyais. Tu faufilais là-bas derrière. Je te voyais. Tu as été une fille de la rue depuis. Il y avait un manguier là-bas. C'est là-bas où tu t'abritais. Pour siffler les voitures des Blancs. Je n'ai jamais dit ça ici. Voilà. Parce que la vie de chacun lui revient. Mais tu t'es vu à Douala vendre le piment à Dominique Savio. Tu taquais les pères là qui venaient laisser les enfants avec les quand ils venaient récupérer. Tu étais là-bas à faire les obsada, monter, descendre. Il fallait voir les veines de ton pied avec ton petit mollet dur comme ça, comme les mangues racines. Tu as été à Dominique Savio quand il était au lycée technique de Kumasi. Je te voyais déjà là-bas. Voilà. J'ai fait la série G. J'ai fait une seconde G. Après, j'ai fait une première G2. Voilà. Allez pleurer. Tu étais là-bas quand j'avais ma tenue de lycée technique, la jupe kaki. Ma jupe kaki, trois quarts comme ça, qui débordait mon genou un peu. Avec mes petits nattes sur la tête. Avec mon haut blanc. Tu étais déjà là-bas sous l'arbre. Dominique Savio. Quand nous on prenait le raccourci avec mes amis Ndoumbe pour aller chez eux là-bas à la magie des fleurs. Tu étais sous le manguier. Quand tu as venu parler de quoi aux Camerounais? Tu as venu raconter quoi aux Camerounaises? Aux vraies femmes de la diaspora? Tu as venu nous dire quoi? Que tu es qui? Jusqu'à monter les palais de lynchage. Et qu'enlève mon nom dans ta bouche là. Enlève mon nom. Ok? T'as pas de que. On dit que. On attache, on détache. Que mon. On dit chez nous que les manières, les nyama mondo, le nyama mondo. Ton nyama mondo qu'on attache, on détache, que tu as dit sur l'eau de Madoka, c'est ça que tu étais là-bas à Dominique Savio en train de vendre ton piment sur le manguier.
Ok? Je t'ai vu faire la rue à Douala. Même comme je ne l'ai jamais déclaré cela. Mais il est temps que je te dise que je te connais depuis Douala. Quand j'ai fait le 7 technique Koumassi, tu étais là-bas, derrière le lit. Dominique, tu étais là-bas, sous le manga, à côté de Dominique Savio. On te voyait tout le temps. Une petite fille comme ça. Tu étais encore toute petite. Tu n'as même pas les seins. Tu n'avais même pas les seins. Tu venais là te mettre comme ça. On voyait seulement une fille mince musclée comme ça là. On voyait seulement ta musculature qui gonflait comme ça là. Et t'es vu. Et t'es vu. Dans les rues de Douala vendre le piment. Voilà. Mais je ne l'ai jamais dit. Ta vie reste ta vie. I'm not judging. Mais ce que tu as fait hier, ton direct de ton plateau de lynchage. Je veux faire pareil. Je veux faire pareil. Voilà. Ce que tu pleures que les graphistes sont allés faire chez Madokas. Paie-toi. Je veux faire pareil encore. Demain, je vais vous faire pareil. Donc vous allez voir la différence. Quand il va donner maintenant le champ libre, vous allez sentir ça dans vos côtelettes. Vous allez sentir ça dans vos côtelettes. Voilà. Tu as fait la rue à Douala, à Dominique Savio. Tu étais comme ça là, comme un brindis de balai. Tu mettais la jupe. Je ne savais pas comment fermer la jupe là sur toi. Je ne savais pas là où on trouvait ta taille Gabi. Un mince truc comme ça là debout. Ou quand tu mets ta main aux hanches. Avec un creux comme ça dans tes aisselles. Os, os de Kribi. Tu as dit ça à tes abonnés, que tu vendais le piment à Dominique Savio. Tu leur as dit ça. Et que tu faisais toute la rue là, comme ça, jusqu'à au marché des fleurs, tous les jours. Tu leur as dit ça. Que tes muscles du pied que tu as là, c'est la magie de la vente de piment que tu faisais là-bas, à Dominique Savio, et à le marché des fleurs, tous les jours, à marcher à pied. Monter, descendre. Tu as dit ça à tes abonnés, que ta bosse là, Et que la bosse que tu as derrière tes pieds là, que c'est la bosse de la vente de piment là où tu marchais entre Dominique Savio et le marché des fleurs pour aller taquer les whites là-bas. Tu leur as dit ça. Tu leur as dit ça. On peut niaiser avec tous les blancs au Cameroun et venir en Europe épouser un Tunisien avec les dents pourries. Un ventru comme ton mari, ton David là, avec les dents concassées dans sa bouche. On peut niaiser tous les blancs, tous les expatriés au Cameroun, venir en Europe épouser un Tunisien avec un gros ventre de manger le couscous tunisien. C'est toi qui veux te lever, leçon de morale aux gens. Tu veux paraître ce que tu n'es pas, alors que tu n'as même pas fait le secondaire. Moi, j'ai fait le lycée technique de Koumassi. Hein. Donc, pour être là-bas, il faut avoir au moins le BEPC. J'ai fait le lycée technique de Koumassi. Tes chiens, elle allait parler. Qui veut voir comment on partait chez mes amis Ndoumbe? Elle était là, sous le manguier, sous le soleil, sous la pluie. Tu t'as mis la main sur les hanches. On voyait seulement un creux comme ça dans ses aisselles. Os, os! Avec les mollets durs comme ça, qu'elle mangeait tous les jours, faisait le tronçon là. Dominique Savio mangeait des fleurs. Dominique Savio mangeait des fleurs. Pour taquer les whites. C'est ça qu'elle venait là, avec ses dents concassées dans sa bouche. Pour parler. Hey, tu es hypocrite. On dit chez toi que Mounja l'Anjola Manjola. Tu détaches, tu attaches, tu détaches, tu manges, tu attaches. Tu détaches, tu attaches, tu manges, tu attaches. Quand nous t'emportes avec ton proverbe là. Ton Mounja l'Anjola là. Quand dit chez nous que Mounja Manchuka Angel. On mange, on attache, on détache, on n'attache pas. Reviens encore. Reviens encore. Je vais te donner la deuxième position de ta vente de piment. Reviens encore. Reviens. Je vais te dire mon oncle qui t'avait niaisé là-bas au privé. Dans le privé, la boîte de nuit. Je vais te dire ça. Avec le soya. Avec le soya tapioca.
Tellement tu avais faim. Mon oncle Mbengis est venu, il t'a niasse dans le privé, dans la chaise. Il t'a acheté d'abord le seul tapioca en face du privé nightclub à Douala. Tu as mangé d'abord le seul tapioca là-bas et après il est parti finir en toi, avec toi en bas de nuit, une petite fille que tu étais. Tu faisais quoi à quoi? Tu faisais quoi sous le mangue à Dominique Savio? Et tonton Longuet, est-ce que j'ai 40 ans? Tu as plus que 40 ans. Et tonton Longuet. Mais tonton Longuet, est-ce que j'ai 40 ans? Tonton Longuet, tu me connais, non? Et tonton Longuet, tu me connais, non? Est-ce que j'ai 40 ans? Tu as commencé à faire la rue, quand tu t'as devenu salaud, tu n'avais même pas 16 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous pour que tu fuis, pour te retrouver dans la rue en train de vendre le piment à cet âge-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Quand on était là-bas, on s'était dit de commencer, tu faisais quoi dans la rue? Tu faisais quoi dans la rue? Fallait voir ces mollets. Entre le Dominique Savio tous les jours et le marché des fleurs. Dominique Savio, marché des fleurs. Dominique Savio, voici son parcours là-bas. Marché des fleurs. Dominique Savio, marché des fleurs. Elle ne manquait jamais à l'appel. Chaque jour qu'on passait là-bas, on la voyait. Elle avait dit, parle aux gens. Je n'ai jamais dit ça. Alors il est temps que tu te taises à jamais. Et mon oncle, ta nièce au privé nightclub, avec le seul à tapioca, les brochets tapioca. Tu viens avec tes dents dans la bouche, comme le dent du râteau. Tu es venu parler sur la vie des gens. Avec ta vie, on peut avoir une vie qui transpire comme la tienne et voulait parler des gens. Tchou. Hein? Tchou. Mon oncle Mbengui t'avait niaise à l'époque. Devant nous. On t'avait embarqué. Devant nous. On t'a acheté le brochet tapioca devant le privé nightclub. Il est parti finir avec toi dans la chaise là-bas. Avec elle parler. Et quand tu partais, il a tapé tes fesses. Avec elle est parlé aux gens sur Facebook. Je te connais bien. Je suis une fille de Douala. J'étais vue dans les rues de Douala. Tu te faisais remarquer de par ton petit corps. Tu étais comme un brindis de balai. Une écarteuse Pro Max. Une encaisseuse Pro Max. Elle vient se cacher ici en Occident. Et c'est elle qui veut parler dans la vie des gens. Elle vient là, elle son cou rempli de veines comme les gros tchodos et tout. Elle gna. Il faut revenir encore sur le nom de Madokas. Remets notre panel. Je vais mettre ma paille, va mettre sa paille, les bandes, lesquelles elles vont monter là, tu vas voir. Tu vas lire. On va maintenant faire pareil que vous. On va voir pour qui va sonner plus fort que pour qui. On va voir le volume le plus fort. Vous croyez que vous partez à l'école pour être des animaux que vous êtes, pour manquer du respect à une tribu tous les jours comme ça? Vous croyez qu'il faut avoir une connaissance? Vous croyez qu'il faut avoir des diplômes pour ça? Hein? Vous prenez du plaisir à mépriser une tribu tous les jours. Tous les jours. Te voilà. Tu es venu, ça est ton long cou là comme le bateau pour qu'il ait pris. Tu as dit qu'il n'y a pas eu accident à Kribi. Qu'est-ce qu'il y a des Kribi? Je suis de Douala. J'étais vu à Douala vendre le piment. Voilà. Fallait voir à côté de Dominique Savio. Sous le manguier. Quand elle est fatiguée là, elle pas restée un peu à côté des gars qui faisaient la dactylographie là. Les gens qui faisaient la dactylographie au bord de la route sous leur parasol. Quand elle était fatiguée, parfois, c'est là-bas qu'elle partait s'asseoir. Et elle mangeait la nourriture des mamans là. Tu la vois parfois avec le pain de la nourriture des mamans qui vendaient la nourriture là-bas aux personnes de la SNEC et de la SONET. Tu la voyais dans leur parapluie, les gars qui font la dactylographie, qui faisaient la dactylographie là. Elle était assise parfois sur leur parapluie là-bas. Il faut voir. Il y avait sa camarade aussi qui était noire comme ça, avec les yeux blancs. Elle avait dit parler. Et lent. Il chiotte. Une fille qu'on a embarquée avec les brochettes tapioca à doigts là. Elle avait dit crier sur la vie des Bamilékés. Tu vois qui? Tu es là, voilà ton Tunisien. Tu as niaise tous les expatriés à Douala pour venir ici là, pour épouser un Tunisien. Ton mari David avait les dents concassées dans la bouche.
a eu son ventre. Quand il parle, putain, on lui dit qu'il va accoucher quand. Quand ton mari là, a eu son ventre rempli de couscous à gérer dedans là. Quand il parle, putain, on lui dit que son dieu de ses camps. On lui dit qu'il va accoucher quand. Ok? Voilà. Tu, quand tu parles, putain, avec lui là. Ok? On lui dit, on te dit qu'il va accoucher quand? On te dit qu'il va accoucher quand? Et quand vous avez fait l'échographie, on a dit, c'est quel sexe qui va accoucher depuis? C'est quelle est cette grossesse qui ne finit jamais? Le gars, il dit que le test là, c'est pour maigrir. Le test là, c'est pour maigrir. Achetez le test là. Achetez le test là pour maigrir. Quand ton mari il avait un fût de 300 litres qui pend devant lui. Ok? Pourquoi ton mari ne pouvait pas être dans l'égérie? T'es David déjà, il a les dents concassées dans la bouche. Et comme ça ne suffisait pas. Voilà une blanche aussi qui vient devant ta porte le matin. Pour dire que tu as fini là de son mari dans la banque. On t'a demandé ça ici là. Hein? On peut être une fille problématique comme toi, avec trop d'histoires à raconter, avec une vie pénible comme la sienne, et venir baver sur une tribu. Tu vois que tu es qui, on est ça? Que c'est ça, wa de bonne prison. Que c'est ça, wa. Mes amis Ndoumbé, elle était ça, wa de bonne prison, rue des Palmiers. Ok? Rue des Palmiers. On mettait, elle était là-bas derrière. On mettait la main, on les sortait derrière le carabolo, j'étais dehors. Mais elle était qu'à bonne prison. On mettait la main chez eux, comme ça on les sortait. On jetait dehors. Mais c'est toujours dans Bona Prison là, rue des Palmiers. Avant Hôtel de l'air. C'était dans Bona Prison là, rue des Palmiers. Voilà. On les mettait là-bas derrière. On mettait la main comme ça, on les sortait, on jetait dehors. C'était dans le même Bona Prison là. C'est la Bona Prison. Un fait de la Bona Prison. Un fait de la Bona Prison. Peut-être dans le cimetière de Bona Prison là-bas. Peut-être. T'as pas de Bona Prison, c'est au cimetière de Bona Prison. Et là, reviens encore. Elle est là comme ça, elle est mandibule. Elle est mandibule. T'as qu'elle est bavée sur la vie des gens. Remettez encore notre panier de lynchage. Nous, on va faire pareil. C'est ça du tic au tac. Il n'y aura plus de consommation. Ça sera du tic au tac maintenant. On va apprendre à se respecter. Ça sera que du tic au tac. Voilà. Vous mettez le palais de l'échat. Madoka, si je suis occupé, Madoka lance ça. Elle va lancer. Si elle est occupée, elle lance le même panel de l'échage. Voilà. C'est-à-dire que c'est Yaoundé qui va nous séparer. Elle a lu ça en train de venir là. C'est Yaoundé qui va sortir un décret. Elle a lu ça en train de venir là. C'est Yaoundé qui va nous séparer. Des conneries comme ça. Vous croyez que ce, on a ce truc là qu'on nous a toujours soumis. Nos parents nous ont peut-être laissé. Elle dit comme ça. On dit laisse. Ça te fait quoi? Ça lève pas sur toi. Et accepte. Laisse. On a cet esprit tout d'acceptation là, d'être toujours les soumis. Ok? It's over. C'est le truc que nos parents nous ont donné. On a grandi dans ça. Cet esprit d'acceptation. Lui, tu veux te plaindre, telle personne va faire. Lui, laisse. Et ta femme, ça t'a enlevé quoi? Ça t'a enlevé quoi? Accepte. On dit que tu es ceci. Accepte. Non, longue. Non, longue. Tu n'acceptes plus. Tu es des personnes méchantes. C'est très méchant. C'est très méchante. Vous ne pouvez pas prendre du plaisir. Allez, bah, mais quand on fait ceci, non. On l'a engraffé, on avait les nailles remplies de plus de nailles, les mauvais pourris. Ok? Et vous, vous êtes des personnes intégrées. Vous n'êtes pas intégrées. Parce que le système dans lequel vous vivez en Occident ne vous permet pas de tenir ce genre de langage. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. Le vendredi dernier, quand j'ai fait ce live que j'ai fait et tout, pour décrier cette situation, j'ai pleuré quand je me coulais mon bain. J'ai pleuré sous ma douche. Ok?
J'ai pleuré sous ma douche que je prenais mon bain. Si j'avais honte. Connerie comme ça. Donc, toi, donne miende. Donc, ton panel d'aujourd'hui, là, ne prononce même pas mon nom. Voilà. Ne prononce pas mon nom. J'étais reponnu parce que j'ai fait un live dans lequel, il y a une nuit, dans lequel mon nom était trop énuméré et je ne sais pas trop pourquoi. Tu as dit que je faisais les commentaires chez Madoka. Sors toutes les captures d'écran. Sors-moi le commentaire que j'ai déposé dans le live de Madoka hier. Sors même un commentaire, même un j'aime ou un like que j'ai déposé dans le live de Madoka hier. Et c'était fait exprès. Moi, j'étais occupé au travail. J'étais en train de donner mon rapport de travail. J'ai eu une journée très très difficile de travail hier. Je n'avais pas le temps. Je me suis concentré sur ce qui était de mieux pour moi. Madoka m'a appelé pour me dire qu'elle va lancer. J'ai dit que maman, je vais partager. Mais j'ai écrit mon rapport. Parce que je vais clôturer bientôt. J'ai eu une journée très très chargée. Il y a eu des instants. Il y a des gens qui sont tombés. On a appelé l'ambulance, tout ça et tout. Il fallait que je fasse tout le rapport de la journée. Voilà. Allez pleurer loin. Sors-moi une capture d'écran où tu m'as vu en train d'insulter ma pépé dans le lab de Madoka hier. Une capture d'écran ou même celle d'avant. Sors-moi une capture d'écran. Dans tout le live là que Madoka a fait ces jours. Sors-moi une capture d'écran où j'ai prononcé le nom de ma pépé. Où j'ai fait même un commentaire à son endroit. Sors une capture d'écran. Une saleté comme toi. Ne tente même plus jamais à mon nom. Plus jamais. Digère. Ok? Voilà. Ne me prononce plus dans tes lives. Tu as tes lives, ton live que tu as fait, tu me prononces et je vais faire pareil sur toi demain. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur toi. Beaucoup. Beaucoup. Va travailler. Rentre au travail. Bah, tu ne peux pas dire que tu es tombé, tu es malade quoi, et tu es au quartier. Vos pipis, vos couilles là, c'est même que d'avoir en Europe. Tu ne peux pas taper ça ici aux États-Unis. Vous fraudez le système tous les jours. Tu viens là avec tes cuisses qui collent pour parler des gens. Que laissez-moi parler. Tu peux parler de quoi? Tu as le souffle, le cardio. Tu peux parler de quoi? Tu peux parler de quoi? Tu peux supporter un live de moi sur toi pendant 30 minutes. Tu peux supporter. Et laissez-moi parler. Tu es trop perpétue. Une haineuse comme toi. Depuis que la cagnotte est debout, tu as mis combien dedans? Quand il y avait d'abord les problèmes avec le rejet, tu es venu déposer, il y avait les étoiles. Tu as entendu dire que je veux les étoiles. C'est toi qui manges et tu essuies ta bouche. Tu mords, tu souffres, tu mords. Quand il faut demander les étoiles de la tête cassée, tu es tête cassée en ce moment. Quand il faut les régner, quand tu as fini de manger les étoiles, je ne sais pas tête cassée, je suis sympathisant. Remets les étoiles. Bap. Une saleté comme ça. Ne prononce plus jamais dans tes conneries. Jamais. Et toi, Osmarius, était d'hier. Je peux allumer ma télévision de Facebook sur toi quand je veux. Mais je fais semblant de t'ignorer. Donc fais pareil en ce qui concerne ma personne. L'amitié n'est pas forcée. On ne peut pas fabriquer déjà être en arrière. Voilà. Si c'est comme si tu dis partout que c'est toi et la femme qui m'avait fait révéler. Ok, allez créer d'autres personnes. Allez prendre d'autres personnes et faire pareil sur eux. Allez donner la révélation à d'autres personnes. Ou bien donnez-vous là. Donnez-vous là. Vous ne pouvez pas nourrir les gens et dormir affamés. Donnez-vous là la révélation là. Ok, ayez la même révélation et soyez ce que je suis. Des idiots comme vous. Des pervers narcissiques, des harceleurs. Un gars qui va payer le bout de scène pour voir le bout de scène d'une femme dans le noir à 1500 euros. Plus de 2000 dollars. Et qui est venu parler aux gens. Déchets. Tu fais quoi dans la tue des hommes, des femmes? Tu fais quoi parmi nous? Tu fais quoi parmi nous? Idiot, avec tes cuisses qui quoi, une efféminée promasse comme toi. Va laver tes caleçons. Coucou Christian. Bonjour ma personne. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon dimanche, Christian. Ok? T'as lavé tes caleçons? Idiot. C'est moi qui t'ai dit d'aller épouser une vieille mère noire américaine. Faut le voir seulement quand il est en train de laver la voiture. Tout son problème, c'est seulement de nettoyer la voiture de la mère, là.
nettoyer la voiture de la mère là. C'est moi qui t'ai déjà épousé une femme qui ne pouvait pas te faire un bon piment pour manger ton poisson frit. Ou bien tu peux même pas te rentrer comme ça, trouver même un bon plat de miel avec le dollar à côté. Déchet. Ta vieille mère noire américaine que tu as épousé aux États-Unis, c'est moi qui t'ai, tu l'as connue à travers moi. Tu n'auras jamais ce que nous les Camerounais, tu cherches la chaleur des Camerounaises, tu n'auras pas ça dans ton lit. Tu n'auras pas ça dans ton lit. Tu vas te masturber avec le bout de spaghetti que tu as dans tes jambes là toute ta vie. Tu n'auras pas notre chaleur. Bap! Un déchet comme ça. L'amitié est forcée. Pourquoi ma personne vous jeûne? Pourquoi ma personne vous jeûne tant? Un idiot comme ça. Un fils de cultivateur. Quand on te dit que c'est né dans la brousse. Et un gars qui a taché le mion de toute sa vie en banga. Tu fatigues qui? Un gars qui a pûché le mion, trempé le mion dans le fût, enlevé le mion, enlevé les tiges, écrasé, ça a taché le mion pour que ses parents ne te vendre au marché de banga le mercredi. Tu crois que je suis la même chose que toi? Quand tu vois tes pieds au sol là, remplis de chic, que tu partais là-bas aux deux plateaux, ou bien là-bas à Bénécy, pour enlever le manioc au sol là. Savez moi, moi je suis fille, je suis à Douala moi. Je n'ai jamais connu les champs. Saleté. Tu partais là-bas au plateau et tu partais là-bas à Bénécy pour déterrer le manioc pour venir tremper tes pans. C'était avec moi. C'était avec moi que tu traversais la mobile là, le sac de manioc sur ta tête. Idiot. Pap. Tu es un fils de planteur que tu étais là-bas en Bangaï. J'étais avec moi dans les champs là-bas. Un déchet, le soleil de plateau l'a calciné. Il faut voir comment il est. Il est comme ça, il a versé le contact sur lui. Sors dans la lumière du jour. Tu gardes une femme en route, on voit. Sors, toi le pervers narcissique, Ewane, Marius, là, Richard. Sors dans la lumière. Tu gardes une femme en route, on voit. Et tes cuisses qui collent. Il faut voir, il parle de 1 500 € là-bas en Europe pour regarder le bout des seins dans le noir. À bec, idiot. Tu as encore prononcé mon nom. Saleté. Si le manioc que tu déterrais là-bas en Banga te demande, continue ta route. Il y a un gars comme ça qui a passé le temps à fendre le bambou pour enlever le truc blanc là au milieu pour attacher le mion. Tu as reçu la même chose que toi. Saleté. Il ne manque jamais l'occasion. Il parle de quelque part, on ne parle pas de moi. Tu vas transformer le sujet à ma personne. Idiot. Je ne te veux pas comme un ami. Tu ne peux même pas être un ami. Tu es un traître. Voilà. Ton ami a eu les points. Si tu l'as laissé dans ça, tu as choc. Tu as choc. J'ai mis les voices là où tu dénigrais ton ami. Un imbécile. J'attends tu que tu viennes dire ce que mon mari t'avait dit de moi. Et là où tu le connais, sale rat. Il est là, il est son ventre rempli de morceaux de caca dedans. Ok? Tu ne connais pas les boîtes et lasatifs pour chier. Mais ça va te faire du bien. Pas boîte et lasatifs. Pas essayer qu'avec tes mains là, avec tes fesses qui sont larges là, tes mains là ne peuvent pas, tu ne peux pas utiliser le pugeoir. Tes mains là ne peuvent pas te puger. Tu ne peux pas arrêter la pompe et te puger avec. Tes mains ne peuvent pas avoir l'épaisseur de tes fesses là. L'épaisseur de ton fessier là. Tu vas écarter ça comment pour mettre le pugeoir là pour enlever tous les sales morceaux de caca que tu as dans les fesses. Idiot. Viens encore avec tes colo-colo les fesses là. Parlez de moi. Elle a un devant en train de prononcer. Ne signe pas. Je parle de Os Marius. Ne signe pas le divorce là, ok? Ne signe pas le décret de divorce là. Sale chien. Va boire ton lasatif pour enlever tous les morceaux de caca que tu as dans le ventre là. Un gars qui n'a même pas de ceinture à sa taille. Passe-toi ta photo là-bas et la ceinture coupée sur ton ventre. Idiot. Il a été à un mariage avec le haut Nike sur toi. Saleté. Reviens encore. Va boire le lasatif. Il y a aussi les tisans là qui puchent. Il y a les green tea là qu'on va arrêter à peler. C'est là, tu connais Rétape. Va dans les African stores là. Tu vas voir les tisans
l'azatif là-bas, les green tea là, ça va dégager ton ventre là, et ton pompé là que tu appelles le ventre. Ça chien. La dernière fois que tu as vu ton sexe, ton bout de spaghetti qui traîne derrière toi, là, en bas là, de toi là, c'était quand? La dernière fois que tu as vu ton bout de spaghetti là, c'était quand? Ah, mais un déchet. Tu peux avoir le cardio pour faire l'amour à une femme? Fais doucement, idiot, bap. Un sale chien comme ça. Que l'eau t'emporte avec toute ta progéniture, ok? Là, tu n'as même pas d'enfant. Je veux parler là aux gens qui ont les familles. Le temps que tu vas, va procréer. Va procréer. Tu viens là avec ton visage calciné. Va procréer. Idiot. Quand tu partais chercher la mère que tu as à la maison, la noire, mais qu'elle n'est pas accouchée à son âge là. Le work du chaos le de ça. Le work du chaos le de ça. Va procréer. Idiot. Reviens encore avec ton ventre rempli de caca là-dedans. Les boules de Ouattafoufou que tu as mangé depuis Banga là, c'est encore dans ton ventre là. Reviens encore me parler. Reviens encore avec mon nom. Que Thérèse, je n'ai rien à foutre avec toi. Ok? Que Thérèse, idiot. Va faire l'amour. Va trouver ton bout de spaghetti là, tu parles à mettre que ça dans les fesses d'une femme, je vois. Va gonfler le bout de spaghetti que tu as dans tes jambes là et mettre ça dans les fesses d'une femme, je vois. Sale rat. Déchet. Je parle avec toi. Intérêt, les gna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 gn